moi. Le côté plus on en trouve. Ouais. Pour ne pas décourager. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour l'ouverture donc du séminaire Enquêter sur et avec le genre. Je suis très heureuse d'ouvrir ce séminaire aujourd'hui. C'est un séminaire que nous avons mis en place l'an passé avec ma collègue Marlène Jouan, donc collègue de philosophie, ici à la Maison des sciences de l'homme Alpes, et que je remercie très chaleureusement pour son engagement. Et un immense merci notamment à Laurence Raphaël, Eva Villa et Antoine Duhou pour leur travail exceptionnel dans l'organisation de ce séminaire. Alors, ce séminaire est né, je le rappelle très rapidement, d'une double volonté, d'un double désir. Celui d'une part de proposer un espace de discussion entre les disciplines, un cadre qui paradoxalement n'est pas si fréquent au sein de notre université. Enfin, ce n'est pas le propre de notre université, mais le fait d'avoir un cadre qui offre ces discussions n'est pas toujours possible. En dehors des cadres informels et des hasards des conférences. D'autre part, nous souhaitions aussi offrir l'occasion de donner à voir dans un contexte politique un peu hostile l'an passé, l'ampleur, la richesse et le dynamisme des études de genre en les abordant du point de vue des méthodes mises en place, hein, des outils d'enquête. Et donc l'année dernière, nous avons eu l'occasion d'écouter des collègues venus d'horizons divers, de la philosophie, de la sociologie, de l'histoire de l'art, qui ont évoqué tour à tour l'écriture autobiographique en sociologie, le care, la transidentité et la transitude, l'art féministe américain des années 60-70 ou encore des problèmes de traduction des genres du chinois vers le français, donc un programme extrêmement foisonnant. Et ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Éléonore Lépinard pour ouvrir ce cycle. Nous souhaitions l'inviter pour plusieurs raisons, non seulement parce que c'est une brillante chercheuse, comme vous le savez, professeure associée en sociologie à l'Université de Lausanne, mais aussi parce qu'elle s'est intéressée dès sa thèse aux études de genre en travaillant sur la question de la politique de parité mise en œuvre en France. Elle s'est ensuite tournée vers le Québec, où elle a travaillé quelques années, notamment à l'Université de Montréal, et cette double et aussi à Chicago d'ailleurs, c'est cette double expérience transatlantique qui a nourri ses travaux qui sont aujourd'hui dédiés aux questions intersectionnelles. Et c'est notamment dans son dernier ouvrage, mais pas seulement, hein, dans plusieurs ouvrages, l'intersectionnalité, enjeux théoriques et politiques, un ouvrage collectif, une monographie qu'elle vient de publier en anglais, Feminist Trouble, Intersectional Politics in Post-Secular Times, chez Oxford University Press 2020. Un ouvrage que j'ai trouvé très impressionnant par son ambition théorique et par sa limpidité aussi. Un ouvrage qui entend proposer un chemin qui permettrait de sortir d'une forme d'aporie, pourrait-on dire, à la fois éthique et politique, du féminisme libéral actuel. Donc en partant des débats qui agitent les féminismes sur la question notamment du voile, elle propose d'interroger ce trouble dans le féminisme que celui-ci suscite. Elle s'appuie sur une comparaison entre le cas français et le cas québécois pour poser des questions que je trouve très profondes, non seulement sur comment on construit une subjectivité politique, mais comment aussi les impensés historiques ou le refus de prendre en compte l'historicité des relations de race et de classe, par exemple, constituent un obstacle pour penser des engagements féministes hors d'un modèle européen. Alors, ce livre, pardon, invite vraiment, et c'est ce qui m'a beaucoup touchée et aussi aiguillée, il invite à une transformation du féminisme. Et il offre aussi des outils pour le faire. Et donc, comme le résume Elizabeth Gross, que vous citez, la théorie ne parle pas de nous, de ce que nous sommes, elle affirme seulement ce qui peut devenir. Et je trouve que le livre remplit vraiment cet horizon. Une dernière chose avant de donner la parole, je voudrais aussi, pour celles et ceux qui ne voudraient pas se lancer d'emblée dans des ouvrages
consistant. Éléonore Lépinard a publié avec Sarah Mazouz un petit livre aux éditions Anna Mozart qui s'appelle « Pour l'intersectionnalité », très bref, qui rentre vraiment dans une poche de jean, paru en 2021 et que j'ai trouvé aussi formidable et qui est vraiment une très bonne voie d'entrée. Alors, je ne l'ai pas parce que justement, quand il est très petit, il a dû se glisser entre des livres dans la bibliothèque, donc j'étais là à farfouiller et à ne pas retrouver. Bon. Donc, je vous invite vraiment à le lire pour, si vous voulez, entrer dans sa réflexion. Donc, je lui donne tout de suite la parole et je la remercie très, très chaleureusement d'être ici ce soir avec nous. Merci beaucoup. Alors, ça va pour le son, le volume ? Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisatrices du séminaire, Naïma Germani, Marlène Jouan et puis en particulier Naïma pour cette introduction vraiment très, très généreuse. Je suis ravie d'être à Grenoble. Et puis alors j'en profite aussi, puisque je suis à Grenoble, pour dire ma solidarité avec le syndicat des femmes musulmanes et ses alliés qui font un travail difficile dans cette ville et qui donc ont besoin de notre soutien. Donc je suis ravie de cette invitation parce que ça me permet de jeter un regard rétrospectif sur la façon dont j'en suis venue à justement écrire ce livre. Qui alors peut-être demande beaucoup de travail à la lectrice, mais alors qui moi m'a demandé énormément de travail aussi. Vous allez le comprendre, je dis ça parce que vous allez le comprendre, ça m'a pris un certain temps. Normalement, je présente ce livre comme il a été écrit, c'est-à-dire je le présente par la fin. Je commence avec la réflexion à laquelle je suis aboutie après, ma foi, quand même plusieurs années à essayer de réfléchir à ce problème. Donc, je commence en donnant la définition du féminisme, finalement, qu'en fait, j'ai formulée qu'à la fin de la recherche et qui est le cadre conceptuel de la réflexion du livre. Et aujourd'hui, je vais faire l'inverse puisque je vais repartir en arrière pour partager avec vous comment finalement une interrogation de sociologue, une interrogation sociologique et méthodologique m'a amenée sur le terrain de la théorie normative et même, j'ose le dire, de la philosophie, comme quoi, effectivement, l'avenir est plein de surprises. Alors, en me demandant donc juste de mentionner les enjeux de méthode dans cette conférence, dans l'invitation qui m'avait été faite, puisque c'est le titre et c'est le thème de cette super série de séminaires que vous avez la chance d'avoir ici à la MSH, les organisatrices m'ont rappelé, en fait, que quand j'ai commencé le projet, il y a vraiment longtemps, la première question qui m'a vraiment embêtée, c'était une question, effectivement, de méthode. Donc, comme le titre l'indique, ou ne l'indique pas très bien, j'en sais rien, mais bon, il s'agissait pour moi d'étudier les pratiques liées à l'intersectionnalité dans les mouvements féministes. Alors, je ne pense pas que j'ai besoin de définir ce qu'est l'intersectionnalité, à moins qu'il y ait un... Je ne sais pas si les étudiants de L3, est-ce que vous voulez un... Alors, je n'ai pas la même définition que Jean-Michel Blanquer. C'est déjà un élément que je peux vous... J'avais dit que je ne ferais pas de blague, d'ailleurs. Donc, l'intersectionnalité, c'est un des concepts. Il y en a d'autres, mais disons qu'aujourd'hui, on va dire que c'est le concept, quelque part, hégémonique en théorie féministe pour essayer de penser l'intersection entre différents rapports de pouvoir, dont le genre, mais d'autres rapports tels que, en particulier, la race et la classe, mais aussi la sexualité ou l'âge encore ou le handicap. Donc, c'est un concept qui est forgé par une juriste afro-américaine, Kimberlé Crenshaw, mais qui s'inscrit elle-même dans une tradition théorique afro-féministe très importante, puisque, au même moment, on a d'autres auteurs, par exemple, la sociologue Patricia Collins qui va parler de matrice de la domination. Et puis, on a, avant et Collins et Crenshaw, des autrices afro-féministes qui utilisent parfois différents termes, double fardeau, triple danger, mais pour conceptualiser le même phénomène à la fois social, c'est-à-dire le fait que les rapports sociaux de domination sont imbriqués, et qu'ils se soutiennent les uns les autres, mais qu'ils placent les gens à l'intersection de certains rapports, et vous pouvez être, pour le dire caricaturalement, dominant dans un rapport et dominé dans l'autre. Vous n'êtes pas que, mais vous pouvez aussi cumuler les privilèges ou cumuler les désavantages. Voilà. Donc, au moment où j'ai commencé ce livre, dans le contexte francophone, on parlait pas
dans le contexte français. On parlait pas, le terme d'intersectionnalité était peu connu et peu utilisé dans les organisations féministes au début des années 2010. Ceci étant, la question qui donc m'intéressait, c'était savoir en fait quels sont ce que les mouvements pouvaient appeler les pratiques d'inclusion ou comment cette question de prendre en charge un sujet féministe intersectionnel, c'est-à-dire de se préoccuper pas que du genre dans la mobilisation féministe, comment les organisations féministes faisaient ça. Donc c'était vraiment, voilà, en sociologue, je me disais, je vais étudier les pratiques liées à l'intersectionnalité dans des organisations féministes. Et en fait, rapidement, cet enjeu de savoir comment j'allais m'intéresser à ces pratiques s'est révélé être un enjeu épistémologique, parce que la manière dont je m'y intéressais allait produire des connaissances différentes en fonction de comment j'allais m'y prendre. Et puis un enjeu normatif, puisque c'était évident qu'il y avait une bonne manière d'être intersectionnel et une mauvaise manière de l'être ou de ne pas l'être. Qu'en tout cas, en fait, la question de l'intersectionnalité, elle était chargée normativement. Il y avait une bonne forme de féminisme intersectionnel et il y avait un mauvais féminisme, par exemple, qui ne l'était pas. Et c'était bien évidemment un enjeu politique très important au sein des mouvements. Donc je vais essayer de retracer ce parcours qui m'a mené d'une question de méthode à une question finalement normative et très chargée pour le féminisme et pour la théorie féministe et pour les mouvements. Le « nous » féministe peut-il être défini de façon intersectionnelle? L'est-il? Comment l'est-il plutôt? Qu'est-ce que cela veut dire? Qui a le pouvoir sur cette définition de dire la bonne et la mauvaise intersectionnalité? Qu'est-ce qui doit être transformé pour que cette possibilité d'un féminisme intersectionnel existe, qu'elle soit repérable, et quels sont les obstacles à cette transformation? Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous en fait le trajet que j'ai fait à partir de ces premières interrogations et où les enjeux de méthode que je vais vous présenter m'ont mené. Et grosso modo, donc, si je devais résumer, en fait, ce serait ça, c'est-à-dire en fait, les problèmes de méthode sont des problèmes de philosophie et les questions méthodologiques sont des questions morales. Il s'agit de deux propositions articulées ensemble, en fait, qui sont connexes. La première, c'est une façon de dire que réfléchir à comment étudier l'intersectionnalité en pratique, comment elle est pratiquée, c'est forcément réfléchir à qui constitue le sujet féministe, ses frontières, ses exclusions, qui inclut, qui exclut. Et donc c'est une question politique, mais c'est aussi une question philosophique. Est-ce qu'il y a un fondement normatif au sujet féministe qu'on pourrait définir, clairement? Et puis la deuxième question, c'est pour dire que les choix méthodologiques pour se donner les moyens de décrire et d'analyser ces fameuses pratiques intersectionnelles que je recherchais dans les mouvements féministes, ce sont des choix, ces choix méthodologiques, qui m'impliquent comme chercheuse aussi moralement, j'essaierai de le montrer, pas seulement parce que c'est reconnaître sa positionnalité, et ça c'est essentiel dans une démarche de production de connaissances, mais parce aussi, comme je vais essayer de le montrer, j'en suis arrivée à penser le féminisme comme bien sûr un projet politique, mais aussi comme un projet moral. Et que dès lors, je suis impliquée, moi aussi, comme chercheuse, quand je travaille avec les féministes, dans les relations morales avec les enquêtés. Et j'ai recherché une forme de cohérence entre les propositions normatives que j'ai pu élaborer et la façon dont j'ai abordé mon enquête. Cohérence en partie reconstruite a posteriori, je vous rassure, comme souvent. Voilà. Alors, donc, une question de méthode. La question de départ, comment étudier la prise en compte ou la pratique de l'intersectionnalité par les organisations et les mouvements féministes, qui amène forcément la chercheuse à se demander, mais en fait, comment je définis le concept d'intersectionnalité, de quelle intersectionnalité je vais parler, est-ce que je vais parler de celle liée à la race, à la religion, à la classe sociale, à la sexualité, comment je vais faire ces choix méthodologiques, comment je vais restreindre la pluralité du réel, on va dire. Et puis, qui peut s'autoriser à dire, en fait, quand une organisation pratique bien ou mal l'intersectionnalité? Quels critères, en fait, normatifs, moi, je vais utiliser pour comprendre ce qui se passe? Est-ce que j'ai un compas pour répondre, en fait, à la question que je prétends poser? Alors, la manière dont... donc, si vous voulez, ce que ces questions indiquent, en particulier la dernière, c'est qu'il y a, dans le sens commun... des militantes, des activistes, des chercheuses, une bonne et une mauvaise intersectionnalité, où il y a même
l'intersectionnalité, c'est bien ou l'intersectionnalité, c'est mal. Et puis, il y a aussi une bonne manière de faire de l'intersectionnalité et des manières qui sont moins bonnes, comme il y a un bon et un mauvais féminisme. Et je pense que si vous êtes un peu, si vous suivez un petit peu les débats féministes, c'est pas une... Quand je dis ça, ça ne doit pas vous choquer particulièrement. Ça doit être une réalité assez palpable. Et ça, c'est l'indice, en tout cas, c'est ce que j'essaierai d'avancer, que le féminisme est un objet de discussion politique, mais il est aussi l'objet de discours et d'investissements moraux de la part des personnes qui s'y investissent. Et à partir de là, cette dernière question, elle nous fait entrer dans un autre registre de réflexion dont je ne peux pas m'extraire en tant que chercheuse. Je ne peux pas traiter les conflits politiques et moraux sur les bons et les mauvais, mauvaises façons de faire du féminisme comme si j'étais étrangère à ces questions, comme des objets qui me seraient extérieurs. Donc cette impossibilité pour moi d'établir la distance critique normalement exigée par l'objectivité, n'est-ce pas, sociologique, m'a interrogée et elle continue de m'interroger sur ce que veut dire être féministe pour moi et pour celles qui énoncent certaines appartenances et donc m'interroger sur la nature du féminisme, son ontologie, comme on dit en philosophie. Alors, je vais présenter deux scénarios de, du coup, j'en suis passée d'un scénario à un autre. Alors, il y a un premier scénario que j'ai appelé le scénario sociologique, ou que je pourrais appeler le scénario de la sociologue, mon scénario en tant que sociologue. Donc, avec les questions de méthode et les enjeux que je me suis posés dans la démarche sociologique quand j'ai commencé cette enquête. Et puis, il y a le deuxième scénario qui est finalement celui du livre. Et à un moment, c'était très clair parce que quand il a finalement fallu que je me mette à écrire ce livre, je me suis dit, je peux faire un livre de sociologie des mouvements sociaux ou je peux faire autre chose. En aurais-je le le courage ? Et j'en avais l'envie, donc j'ai fait autre chose. Donc, j'ai fait le scénario qu'aujourd'hui j'appelle Cyborg. Pourquoi j'appelle le scénario Cyborg ? Donc, c'est une référence au concept de Donna Haraway, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, je ne me suis pas transformée en un être mi-technologique, mi-organique. Donc, elle prend cette figure d'une hybridation entre technologie et biologie, Donna Haraway, comme une métaphore, en fait, pour parler d'une figure épistémique. Donc, une figure qui peut produire de la connaissance et de la connaissance féministe. Donc, une théorie, une épistémologie féministe. Elle propose, avec la figure du cyborg, une réflexion sur la façon dont on peut produire une connaissance féministe. Et donc, j'ai subtilisé cette étiquette parce que ce scénario, et c'est effectivement un scénario hybride, qui mêle de la description sociologique, empirique et des réflexions normatives. Et parce que j'ai repris, je crois, à mon compte, deux affirmations qui sont formulées par Donna Haraway dans son fameux manifeste cyborg. Alors, le manifeste qui est tellement foisonnant qu'on peut y trouver un peu tout ce qu'on a envie. Quand on a besoin de dire quelque chose, c'est bien d'aller voir le manifeste Cyborg d'Haraway. Ouais, on va toujours trouver une citation utile à son propos, ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Donc, elle dit « Le cyborg est notre ontologie. Il nous donne notre politique. » Donc, ce qui me plaît dans cette première citation, c'est l'idée que tenter de définir la nature du féminisme, son ontologie, ou de définir la nature de l'intersectionnalité, c'est décider de notre politique. Donc, c'est justement cette manière de lier ensemble l'entreprise de connaissance et l'entreprise politique et la responsabilité que ça va nous donner dans la manière dont on va approcher ces questions. Et puis, dans une deuxième citation, elle commente cette démarche en disant que son manifeste est un argument en faveur du plaisir de la confusion des frontières et en faveur de la responsabilité qu'on a dans leur construction de ces frontières. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à brouiller les frontières disciplinaires et j'ai essayé de prendre mes responsabilités dans la manière dont je l'ai fait. Et donc, c'est pour ça que je vous propose d'appeler ce second scénario le cyborg. Alors, donc, dans le premier, je vais présenter comment la recherche a commencé, les dilemmes que j'ai eus pour définir l'intersectionnalité dans mon cadre de sociologue et les questions qui sont restées sans réponse. Et puis, dans le deuxième scénario, je parlerai de la manière dont j'ai commencé à prêter attention à d'autres choses que ce qui m'avait intéressé comme sociologue et en particulier à prêter attention aux enjeux moraux et comment ça m'a invité à redéfinir le féminisme et du coup à relire aussi les entretiens que j'avais faits d'une nouvelle manière en mettant la focale sur deux nouvelles choses, par exemple en particulier sur la blanchité, l'enjeu de la blanchité au sein du mouvement féministe,
et la tentative de redéfinition du sujet féministe à laquelle ça m'a amené, sachant que, selon toute probabilité, je vais dépasser mon temps ou ne pas faire tout ce que je viens de dire que j'allais faire. Voilà. Alors, le premier scénario, le scénario sociologique, donc, comment je vais analyser les pratiques de l'intersectionnalité en me disant que voilà, y a différentes stratégies, il y a différents types de pratiques dans les organisations féministes pour répondre à la question de l'inclusion dans le nous. Qui est dans le nous? Comment on fait pour être le nous qu'on prétend être, c'est-à-dire un nous, les femmes, inclusif? Alors, je me suis penchée sur cette question à partir des débats sur le voile. Donc, j'avais déjà fait un choix méthodologique. Je voulais m'intéresser à la question raciale / religieuse. Dans le contexte français. Pourquoi? Parce que c'était une manière de faire parler les enquêtés sur les enjeux raciaux. On les a parlé de la laïcité, en fait, on les fait rapidement parler de la question raciale. Et puis, il y a un espèce de recouvrement, de toute façon, des termes dans les discours. Je me trouvais dans deux contextes où il y avait eu des débats qui avaient interpellé les féministes et dans lesquels les féministes s'étaient positionnées. Et ça avait engendré, comme vous le savez, plein de conflits. Et donc, c'était intéressant parce que ça voulait dire que c'était forcément une question auxquelles mes enquêtées elles avaient réfléchi. Parce que l'organisation avait dû se positionner, parce que de toute façon, il y avait un discours médiatique omniprésent qui obligeait à produire du discours sur cet enjeu. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça en 2011, je pense, et donc, 20 ans, non pas 20 ans plus tard quand même, mais 10 ans plus tard, nous avons toujours le grand bonheur d'avoir chaque année un nouveau débat sur le sujet, en particulier en France. Donc, alors vous connaissez peut-être ces visuels, donc ça c'est pour la France, juste, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer que le débat est vieux et ancien. Et que donc, il occupe beaucoup d'espace. Et puis, il y a aussi eu un débat, alors pas tout à fait similaire, mais quand même, au Québec, où je me trouvais, comme Naïma l'a rappelé, pour le travail pendant plusieurs années. Et avec un débat sur la charte de la laïcité, avec, voilà, alors ce n'est pas exactement les mêmes objets, mais ça s'est aussi concentré sur les signes religieux visibles, et ça s'est concentré sur des formes de vêtements religieux musulmans féminins. Et donc voilà, donc là c'était un poste par exemple de la Fédération des femmes du Québec qui appelait justement à se positionner contre la nouvelle loi. Alors à l'époque c'était la loi 62, depuis il y a eu d'autres projets, mais donc il y a eu, comme en France, beaucoup d'entreprises législatives pour essayer de faire passer des prohibitions. Mais contrairement à la France, ça n'a pas fonctionné à plein régime. Voilà, donc bon, vous connaissez le contexte. Juste pour dire que du coup, voilà, je me suis intéressée à la question des pratiques de l'intersectionnalité en m'intéressant en particulier à la question du voile. Pourquoi est-ce que j'ai... Ah ben, il s'en va. Bon, c'est pas grave. C'était l'unique autre photo de toute la présentation. Bon. C'est le livre, en fait, de Sarah Faris qui s'appelle « In the Name of Women's Rights », qui vient d'ailleurs d'être traduit en français. Où elle développe donc le concept de fémonationalisme. Donc juste pour dire en un mot, mais ça aussi je pense que vous le savez, que le contexte n'a pas changé, au contraire, il est encore plus conflictuel aujourd'hui que quand j'ai fait mon terrain. Et l'émergence et la consolidation du fémonationalisme, donc cette convergence d'intérêts matériels selon Faris, bon aussi de discours, entre les féministes, en particulier les féministes d'État, et les agendas politiques xénophobes et racistes, et voilà, ça s'est consolidé plutôt que de que d'être battu en brèche, en tout cas dans le contexte français, dans le contexte québécois, il y a plus de résistance à ça. Et donc, ce que le livre adresse aussi, ou en tout cas ce que l'enquête a permis d'adresser, on va dire, c'était, en fait, dans quelle mesure les pratiques féministes véhiculent et propagent le fémonationalisme ou sont capables d'y résister et à quelles conditions? Donc ça, c'est aussi une des questions que je me suis posée en essayant d'observer la manière dont l'intersectionnalité faisait ou pas partie des pratiques des organisations féministes. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions sur le contexte ou quoi. Oui. Ouais.
Alors, le fémonationalisme, donc Sarah Faris, donc c'est un mot valise entre féminisme et nationalisme, vous l'aurez compris. Sarah Faris, elle le définit, alors bon, dans une veine marxiste, pour elle, il y a une convergence d'intérêts matériels. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, c'est quand la droite se découvre un amour pour l'égalité des sexes, parce que ça permet de dire que l'islam est patriarcal. Et donc de dire, maintenant, en fait, on va faire passer, alors il y a des contextes, par exemple, aux Pays-Bas, où on va intégrer des questions sur l'homophobie et sur l'égalité des sexes dans les tests de citoyenneté. Ce qu'on ne faisait pas avant, avec l'idée que maintenant, ce seraient des valeurs nationales. Première nouvelle, partagée par tous, mais pas par les immigrés. Et que donc, eux, il faudrait les tester sur ce sujet. Bon, ça se passe aussi en France, hein, dans les formations obligatoires de civisme, etc., quand on est dans certains processus de naturalisation. Il y a aussi beaucoup d'injonctions à discuter. Enfin, il y a tout un programme de discussion de quoi, donc, devinez. La laïcité et l'égalité des sexes. Alors, oui, mais alors vraiment au service d'un agenda particulier qui est un agenda nationaliste, xénophobe, raciste, anti-immigration. Voilà. Donc, c'est le débat l'Occident éclairé, avancé en matière d'égalité des sexes qui se pose comme un état plus avancé que le reste du monde et en particulier. Toute culture proche de l'islam. Et donc voilà, donc ça se voit par quoi ? Ben, ça se voit dans la prise de position par des acteurs de droite, voire aujourd'hui d'extrême droite, sur des discours d'égalité des sexes. Alors bon, alors ils adorent le harcèlement de rue, ça c'est une focale particulièrement appréciée, parce qu'elle permet de stigmatiser des quartiers, des populations, etc. Mais voilà, donc ça se focalise sur certains enjeux. Voilà, je pense que ça répond à la question. Voilà. Il y a d'autres exemples dans les politiques migratoires, dans donc les prérequis pour les prérequis quand il y a dans les endroits où il y a des examens de citoyenneté, et les politiques de harcèlement de rue sont des bons exemples de ce type de politique. Donc, en quoi consistait concrètement l'enquête sociologique. Donc, j'ai fait une comparaison entre la France et le Québec. C'était deux contextes qui étaient intéressants parce qu'ils n'avaient pas du tout la même approche des questions d'immigration et aussi des questions de racisme. Mais bon, surtout sur l'immigration, donc une France républicaine, colorblind, aveugle à la couleur, et le Québec qui prône, pas le multiculturalisme, une version québécoise, l'interculturalisme, mais bon, avec quand même beaucoup d'insistance sur, dans les politiques migratoires, la nécessité de prendre en compte la culture d'origine des personnes, de financer aussi des associations sur une base ethnique ou culturelle. Donc j'ai fait des entretiens avec des personnes qui travaillaient ou qui étaient membres d'organisations qui s'auto-identifiaient comme féministes, pour quasiment la totalité, qui la plupart du temps étaient des organisations au sens aussi juridique, on va dire, avec une structure légale, qui quelquefois étaient juste des simples collectifs. Alors ça, c'était uniquement dans le contexte français, en ce qui concerne des collectifs justement intersectionnels qui n'avaient pas de structure juridique. Mais l'idée, c'était donc de m'intéresser à des personnes qui étaient dans des structures collectives, qui avaient un certain nombre d'actions concrètes, orientées autour de leur collectif ou qui fournissaient des services communautaires aux femmes. Donc ça peut être les structures de planning familial, ça peut être les associations de femmes immigrées, ça peut être voilà, tout un ensemble de choses. Et donc, bon, il y a une grande hétérogénéité, c'est sûr, des pratiques féministes. Alors, mon échantillon, comme tout échantillon, il n'est pas exhaustif, il n'est même pas non plus représentatif. Et en plus, maintenant, ça fait un certain nombre d'années que c'est terminé. Donc, c'est sûr que je referai la même enquête aujourd'hui, je n'aurai absolument pas les mêmes discours de la part de mes enquêtés. Pour autant, je pense que si le contenu ne serait pas le même, la démarche et qu'est-ce que j'ai essayé d'identifier, je pense, continue j'espère, vous me direz, à pouvoir être pertinent.
puisque l'idée, c'était d'établir, en fait, de décrire, d'analyser un certain nombre de processus, de proposer des typologies, en particulier grâce à la comparaison, avec donc l'idée que, au-delà de l'échantillon, au-delà de la période, ça peut peut-être aider quand on regarde d'autres mouvements féministes ou à un autre moment dans le temps. Alors, un des premiers problèmes que j'ai eu, c'est en fait comment j'allais nommer les organisations. Puisque je voulais faire, je voulais comparer et je voulais construire mon échantillon en ayant des organisations qu'au début j'appelais mainstream, en sachant pas très bien qu'est-ce que je mettais là-dessous, et puis des organisations de femmes racisées ou de femmes immigrées, en tout cas des organisations qui s'auto-définissaient sur une base qui n'était pas juste l'identité de genre, mais qui était aussi autre chose, que j'avais réduit à l'identité raciale, immigrée, ethnique ou religieuse, en fonction de comment elle se nommait. Je n'ai pas fait d'autres types d'identité. Mais voilà, qui s'auto-définissait selon ces termes-là. Et quand j'ai commencé à écrire les premiers papiers issus de cette recherche, je me suis dit, mais comment je vais les nommer? Je ne peux pas les nommer intersectionnelles. D'abord, elles n'utilisent pas forcément tout ce vocabulaire. Les mainstream, quand je dis mainstream, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est majoritairement des blanches. Est-ce que je vais les appeler blanches? Est-ce que je les appelle majoritaires? Est-ce que je les appelle... Alors, j'ai regardé dans la littérature. Les autrices, elles ont fait différents choix. Il y en a qui parlent de majoritaire, minoritaire. À un moment, je me suis dit que c'était peut-être la bonne manière de faire. Mais je n'étais pas sûre. Donc, à un moment, j'ai essayé de trouver un terme qui était à axe simple, donc juste le genre, ou à axe double, okay, donc genre plus quelque chose d'autre. Et l'idée, et puis donc vous voyez, j'ai aussi fait l'échantillon pour avoir des associations qui faisaient principalement du plaidoyer, donc qui ne faisaient pas du service auprès des femmes, mais qui faisaient, alors du plaidoyer, ça peut être de l'agite propre, hein, ça peut être principalement des actions politiques à destination du public ou du plaidoyer au sens... je ne sais pas si vous pensez en France choisir la cause des femmes, des associations comme ça, qu'on peut, enfin voilà, ou qui font pas de l'accompagnement, mais qui ont des agendas politiques à partir d'un certain nombre d'objets législatifs, etc. Et puis donc des organisations qui fournissent des services. Alors, ce premier dilemme de comment nommer les organisations, il était déjà une indication que j'avais un souci entre la distance, la demande d'objectivité ou la demande de ne pas utiliser le même langage que le langage des militantes, non pas que ce langage me posait problème, mais que si je voulais faire des typologies, si je voulais catégoriser, il fallait que je trouve comment moi j'allais nommer ces catégories. Donc voilà, j'ai trouvé un tour de passe-passe, j'ai utilisé ces termes-là et ça me permettait de faire des catégories d'associations qui étaient différentes. Après, je me suis intéressée donc au discours que les personnes que j'avais eues tenaient sur des enjeux d'inclusion, sur la question du voile, sur la question raciale, principalement. Soit la position qu'avait pris leur association dans ces débats-là, soit comment elles faisaient au jour le jour, quand c'était des associations de services, pour gérer des questions que, par exemple, au Québec, on qualifie d'interculturelles. Et puis, à partir des discours que j'avais recueillis, j'ai proposé, là encore, une typologie. J'aimais bien faire des typologies pour essayer de nommer ces discours de l'intersectionnalité. Et là aussi, j'ai eu un dilemme de comment j'allais nommer ces discours parce que est-ce que j'allais utiliser le terme d'intersectionnalité pour des personnes qui ne l'utilisaient pas forcément? Est-ce que c'était pertinent? Est-ce qu'en fait, ça désignait bien qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, je voulais aussi montrer en fait, qu'il y avait un éventail de discours sur l'inclusion, certains n'étant en fait pas du tout intersectionnels. Donc, je ne pouvais pas appeler ça des discours sur l'intersectionnalité parce qu'en fait, il y avait des discours qui n'étaient pas particulièrement intersectionnels. Et pourtant, c'était aussi des discours sur la question de l'inclusion, mais ils racontaient juste pas ce que moi, je pensais être la bonne intersectionnalité. Donc, je ne pouvais pas les appeler comme ça. Donc, j'ai fini par faire une typologie en essayant de définir la manière dont les organisations féministes envisageaient la question de l'inclusion à partir de deux dimensions. Une dimension de représentation, qui est-ce que les associations prétendaient représenter? Et puis une dimension qui était leur conception des intérêts
des femmes qui sont situées à une intersection, en particulier avec, par exemple, le racisme. Donc, comment est-ce qu'on parlait de ces femmes-là dans l'association? Alors, quand l'association, elle était en fait une association qui se définissait de façon intersectionnelle, donc c'est le premier répertoire, ben, c'est les intérêts qui sont définis comme spécifiques à ce groupe-là et qui sont le cœur de ce que fait l'organisation. Donc ben là, voilà, on pense à des organisations afroféministes, à des organisations qui s'occupent des femmes du sud-est asiatique, voilà, des organisations qui représentent les intérêts de femmes qui sont comme elles, des intérêts qui sont définis de façon intersectionnelle. Dans mon échantillon, j'avais d'autres organisations, j'avais d'autres types de discours. Sachant qu'une organisation peut avoir différents types de discours sur l'intersectionnalité, en fait. Les répertoires, ils sont souvent, genre, on en trouve deux, trois dans un même entretien ou pour une même organisation. Alors, le répertoire de le genre, d'abord, c'est un discours qui tend à mettre l'emphase sur le fait que n'importe quelle femme peut représenter les intérêts de toutes les femmes. Donc, la communalité de l'identité de genre, elle prime, en fait, sur tout le reste. Et que donc, certes, on peut reconnaître qu'il y a des groupes de femmes intersectionnelles qui sont opprimées par autre chose que le genre, et elles ont des intérêts spécifiques, mais on pense que ça peut être subsumé sous la lutte générale. D'accord ? Donc, on pense à la question de l'inclusion, et on a une solution. On subsume, on sait que oui, c'est spécifique, mais en fait, dans nos revendications universelles, en fait, on adresse ça aussi. Il y avait un troisième répertoire discursif donc, que j'ai appelé celui de la reconnaissance individuelle, alors qui était pas mal présent dans des associations qui font du service auprès des femmes, avec là l'idée qu'on ne partage pas forcément les mêmes caractéristiques que les femmes que l'association représente. Donc on peut avoir une association finalement qui est... gérée principalement par des femmes blanches du groupe majoritaire et qui en fait s'adresse à une diversité de public des femmes. Et là, l'idée, c'est l'inclusion, elle se fait parce qu'on laisse chaque femme décider de ce qu'elle veut, de ce qu'elle souhaite, de ce que c'est l'émancipation pour elle. D'accord ? Donc, on a une attention, un respect pour des différences individuelles et qu'on cadre comme des différences individuelles, pas comme des différences politisées ou qui seraient propres à un groupe. D'accord ? Donc, on a un discours individualisant sur ce que chaque femme, finalement, souhaite. Alors, c'est aussi un discours féministe, hein, que chaque femme doit définir, selon ses propres termes, les modalités de son émancipation, doit faire ses choix. Nous, on est là pour lui proposer des outils, puis elle choisit. C'est aussi dépolitisant, parce qu'on fait comme si, en fait, il n'y avait pas des femmes qui sont systématiquement confrontées à certains problèmes particuliers que l'association ferait peut-être bien d'aborder d'une certaine manière si elle veut être pertinente. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, typiquement, quand on parle des certificats de virginité, quand des jeunes femmes viennent demander des certificats de virginité, quand il y a des enjeux de ce type pour une association de santé sexuelle, par exemple. Et puis, un dernier répertoire de solidarité intersectionnelle, où on considère que dans l'association, on doit refléter la diversité, il doit y avoir la présence... par exemple, de femmes racisées dans l'association, si on veut être pertinent. Donc, il y a une réflexion sur une politique de la présence des femmes multiplement marginalisées au sein de l'organisation. Et puis, il y a l'idée qu'il faut traduire, qu'en tout cas, on ne peut pas subsumer ces besoins dans l'agenda féministe normal de l'association. On doit les inclure principalement en les traduisant, en les incluant dans la plateforme de l'organisation. Je vous donne juste un exemple ici, par exemple, de ce répertoire-là, où une salariée qui est une femme québécoise, qui est noire, qui est salariée dans une organisation fêtière pour les droits des femmes au Québec, qui est chargée des enjeux de diversité dans l'organisation, et qui explique voilà, comment est-ce qu'on essaye de ne pas oublier la moitié en fait, des femmes dans nos analyses. Donc,
On met en perspective les luttes communes, parce qu'il y en a, c'est la base du mouvement et ça n'a pas changé. Mais il faut être capable de se pencher sur les spécificités, parce que ce n'est pas vrai que d'être une femme comme moi, noire, née au Québec, d'être une femme avec un statut précaire, d'être une travailleuse temporaire, c'est la même chose. Donc avec cette idée qu'on doit à la fois travailler sur les bases communes et sur les spécificités, donc traduire aussi les spécificités dans un langage commun pour que tout le monde comprenne pourquoi on travaille sur ces spécificités. Et elle conclut en disant, c'est quand même un gros défi. Donc voilà, donc j'ai essayé de typologiser ces discours sur l'inclusion, ces discours sur l'intersectionnalité. J'ai même fait après des graphiques magnifiques sur la manière dont ces discours étaient présents ou pas dans les organisations, pour essayer de voir qui privilégie quel type de discours. Alors, sans surprise, la France était particulièrement gender first, particulièrement universaliste du genre dans ces discours, en particulier évidemment les organisations qui ne s'occupent que des femmes et qui n'avaient pas d'identité, qui ne promouvaient pas une identité autre que le genre. Mais c'était aussi un discours qui était assez fort chez des organisations de femmes immigrées ou de femmes qui s'organisaient sur une base d'origine immigrée, par exemple. Et puis donc au Canada, il y avait une répartition très différente de ces discours, quasiment pas de discours universalisant le genre, en particulier dans les associations donc à double axe, comme je les avais appelées, et puis des répertoires qui étaient donc plus équilibrés et plus variés dans ce contexte-là. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, il y avait une cinquantaine d'associations. Donc, c'était réparti à peu près équitablement. Et puis après, c'était minimum un tiers d'associations de femmes non blanches, on va dire. Et deux tiers... Enfin, en fait, au Québec, c'était un peu différent. Mais voilà, il y avait aussi une répartition entre les... Si je reviens là, vous avez la répartition ici. Voilà. La plupart du temps, oui. La plupart du temps, je contactais l'organisation et quelqu'un me répondait. J'avais une interview avec 7 personnes. Ça m'est peut-être arrivé de faire avec 2 personnes. Là, ça m'est peut-être arrivé une des grosses organisations. Peut-être j'ai fait 2, mais la plupart du temps, ouais. Alors, oui, pardon, oui. Alors. Ouais, alors c'est dommage, j'ai pas de citation là, mais typiquement, donc quelqu'un dans une organisation qui me dit, je lui pose la question sur de la position de son organisation sur le voile, qui donc a pris position pour la loi de 2004, pour la loi de 2010, donc les deux lois prohibant des formes de vêtements religieux musulmans féminins, et elle me dit. Oui, bon, c'est sûr que sur le voile, on ne va pas s'entendre, on n'est pas d'accord, c'est sûr, mais quand même, il y a des choses sur lesquelles on peut toutes s'entendre, les violences faites aux femmes, l'égalité salariale, voilà. Donc, c'est cette manière de remettre l'accent, en fait, et de dire qu'en fait, les vraies priorités du mouvement, c'est les priorités sur lesquelles on peut toutes s'entendre. Le reste, c'est accessoire, donc on marginalise ces enjeux-là et on revient à une idée qu'en fait, on peut... quelque chose de commun, il y a des revendications qui sont communes et sur lesquelles on va toutes se mettre d'accord. Ok ? Il y a d'autres questions ? Non ? Donc, comme vous l'aurez compris, j'ai fait beaucoup de typologie pour essayer de prendre de la distance avec les usages militants du concept et aussi pour montrer la variété des pratiques qui visaient à l'inclusion. Ou qui visait à l'inclusion ou qui visait à l'invisibilisation, hein, au final, enfin bon, qui pratiquait l'invisibilisation. Alors, aujourd'hui, le contexte a changé, mais le discours sur l'intersectionnalité, il est devenu beaucoup plus majoritaire, même en France, au sein de nombreuses organisations féministes. Il y a encore quand même besoin, je pense, de faire des distinctions dans la façon dont il est déployé. Et il y a plein de façons différentes de le déployer. Je continue de penser que c'est important d'essayer de...
pas tout labelliser comme intersectionnalité, ou en tout cas d'essayer de comprendre comment c'est mobilisé et à quelle fin. Est-ce que c'est mobilisé dans une fin de promouvoir des pratiques de coalition? Est-ce que c'est mobilisé comme une identité propre à l'organisation? Ou est-ce que c'est mobilisé comme une stratégie d'inclusion dans un mouvement majoritairement blanc sur la question raciale qui voudrait promouvoir ce discours de manière à pratiquer ce que le mouvement ou ce que l'organisation pense être une forme d'inclusion. J'y reviendrai, je prends beaucoup de précautions parce que voilà. Alors, néanmoins, il y avait beaucoup de questions qui restaient sans réponse pour moi. Ben, tout d'abord, j'ai beau appeler certaines choses intersectionnelles et pas d'autres et utiliser des termes qui se veulent neutres, au final, il y a toujours un jugement implicite sur les pratiques de ces organisations féministes. Je ne peux pas m'extraire du jugement sur ces discours et sur ces pratiques. Il y avait aussi, une fois que j'avais fait ces belles typologies et ces graphiques, il y avait quand même une réification terrible de la réalité à laquelle j'avais participé, en fait, parce que ça ne traduisait pas du tout la charge morale et émotionnelle des entretiens et puis plus largement des débats que cette question-là suscitait pour les personnes avec qui je m'entretenais. Du coup, j'étais dans une situation où, pour moi, il y avait une impossibilité de conceptualiser de façon vraiment critique la norme, l'impératif d'inclusion. En fait, pourquoi cet impératif d'inclusion? Pourquoi cette norme d'inclusion? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Pourquoi c'est un impensé total et c'est un discours hyper normatif? Et pourquoi elle est un enjeu pour les actrices que je rencontrais? Donc, c'était évident que finalement, interroger les personnes sur l'intersectionnalité, c'était une nouvelle façon, ou sur l'inclusion, entre guillemets, c'était une façon de leur poser la question, une question qui hante le féminisme, de savoir qui est son sujet, au nom de qui vous parlez-elle et au nom de qui je parle, donc qui est le nous, au nom de quel s'énoncent les revendications féministes. Et si je décidais de plutôt m'intéresser à ça, à cette question-là, il m'a semblé que ça me permettait de prendre le sujet d'une autre façon. Donc de plus me demander quelles sont les pratiques d'inclusion, de quoi elles relèvent, comment elles sont définies, mais de me demander en fait comment ces discours sont en train de tracer les frontières du nous féministe, sont en train de dire qui est dedans, qui est dehors. Peut-être une autre manière de poser la question qui va m'apporter quelque chose de plus intéressant. Et donc, nous passons au scénario cyborg. Donc, où je me pose la question de l'intersectionnalité pour révéler la question de la nature et des frontières du sujet féministe. Et donc, j'ai dit une question qui revient hanter le féminisme, parce qu'il y a une citation de Judith Butler que vous connaissez peut-être, Judith Butler sûrement, mais la citation peut-être aussi. À travers quelles exclusions est-ce que le sujet féministe a été construit et comment ces domaines exclus reviennent hanter l'intégrité et l'unité de ce nous féministe. Et finalement, j'étais devant, où je participais à coproduire dans les entretiens avec mes interviewés, un discours sur cette question-là, sur qui on a exclu du féminisme et qui demande son inclusion ou qui clame sa participation à ce sujet. Alors, du coup, ça demandait de réfléchir en fait à quel est le cadre théorique finalement que je propose pour penser cette question-là. C'est un cadre théorique où je vais considérer le féminisme à la fois comme une communauté politique et comme une communauté morale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, bien sûr, on le sait, c'est la palissade, hein, de dire « Ok, le féminisme, c'est un projet politique. » Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce qu'on n'est pas d'accord sur le contenu qu'on donne à les valeurs qu'on proclame. Même si on dit « Ah, mais oui, c'est le combat pour l'égalité. » Mais en fait, qu'est-ce qu'on met sous le terme égalité ? Est-ce que là, on va tous se mettre d'accord sur quand est-ce qu'on aura atteint l'égalité ? Je ne pense pas, en fait. Donc, il y a un conflit sur... Il n'y a pas d'accord sur le contenu des valeurs qui sont proclamées par le féminisme.
C'est un projet de communauté morale parce qu'en fait, en tout cas c'est ça que je vais argumenter, c'est un projet de créer des relations entre féministes qui soient caractérisées par un désir d'égalité, de traiter de façon égale et de traiter bien les autres féministes qui font partie de cette communauté. Et c'est ça que je vais essayer de montrer, j'espère. Donc, je vais un peu plus vite. Donc, ça posait d'autres questions. Si je commençais à réfléchir dans ces termes-là, je devais me demander, mais en fait, devant qui et de qui les féministes se sentent-elles responsables quand elles disent « nous » ? Selon quelle hiérarchie les responsabilités et les vulnérabilités et les privilèges sont distribués entre féministes ? Et puis, comment les frontières morales sont tracées ? Et quel type de hiérarchie ces frontières morales reproduisent ? Et puis évidemment, dernière question, est-ce qu'on peut en fait essayer de théoriser le sujet féministe, ce « nous », sans reproduire ces hiérarchies ? Alors, ça posait aussi de nouvelles questions, on va dire, méthodologiques, puisque ça demandait peut-être un nouveau type de réflexivité ou de positionnalité par rapport à l'objet. Ça demandait d'expliciter en fait ma propre relation à cette communauté morale et politique, donc à ce moment-là, je dois affirmer que j'en suis partie prenante et j'en suis pas extérieure. Donc, c'est plus un défaut d'objectivité, mais c'est un positionnement et c'est aussi une exigence, c'est-à-dire d'assumer une dimension de responsabilité. Donc, non seulement d'absence de neutralité, mais de responsabilité. Si je me mets à parler de ça, quelle est ma responsabilité à partir de ma position dans le discours que je vais énoncer ? Alors, une manière de réfléchir à ça, et par exemple, je m'inspire de ce que John Tronto a écrit sur le sujet, c'était de prendre comme point de départ les questionnements et les intérêts de celles qui ont produit les analyses de leur exclusion et qui ont exposé les hiérarchies internes au mouvement féministe, de les placer comme centre et comme point de départ du questionnement. Dans les entretiens, ça voulait dire quoi ? Dans les entretiens, moi je suis une femme blanche, je fais des entretiens avec des féministes racisées, ça voulait dire qu'il fallait être d'accord sur l'importance, pas sur la prévalence, sur les modalités ou sur quoi, mais sur l'importance de la question du racisme, même si j'en fais pas l'expérience. Donc ça voulait dire placer ça aussi au centre de la relation d'entretien. Et puis évidemment, ça exige le minimum de réflexivité, c'est-à-dire à partir de ma position, quels sont les discours que moi je récolte, ils sont forcément limités. Je ne peux pas prétendre parler de tout, je ne peux pas prétendre, je vais parler des relations entre les femmes blanches et les femmes non blanches, je ne vais pas parler des relations entre femmes non blanches. Je ne suis pas dans une position qui me donne un accès, quel qu'il soit, à cette question-là. Donc voilà, donc juste pour rappeler la nécessité de pluraliser les points de vue que d'être beaucoup à travailler sur cet objet pour pouvoir en dire quelque chose d'intéressant. Toujours d'un point de vue méthodologique, du coup, ça voulait dire relire ou refaire ces entretiens avec une attention aux émotions et aux attentes morales qui sont implicites dans les discours, à la façon dont c'est articulé à des hiérarchies, principalement les hiérarchies liées au racisme, et puis de se demander... De quitter un peu la question de la bonne intersectionnalité ou de la définition de l'intersectionnalité et de s'intéresser à d'autres concepts qui permettent de montrer comment il y a une articulation entre frontières morales du sujet féministe et hiérarchie de pouvoir, hiérarchie sociale. Et donc, par exemple, d'utiliser le concept de blanchité pour explorer ce lien entre posture morale et exclusion et reproduction des hiérarchies et des rapports de pouvoir entre féministes. Alors du coup, pour essayer de ne pas complètement exploser mon temps, j'ai utilisé le concept de blanchité féministe pour essayer de vraiment parler de cette façon dont une position de privilège dans la hiérarchie, dans les rapports produits par le racisme, va se traduire dans un discours moral sur le féminisme qui va tracer des frontières entre des bons et des mauvais sujets féministes. Alors, de ce point de vue-là, évidemment, je m'inscris dans une longue et riche tradition de théorisation critique du féminisme blanc et du racisme au sein du féminisme sur laquelle je m'appuie, bien évidemment, pour faire ces analyses.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis intéressée à comment les féministes blanches parlaient des féministes non blanches, quels sont les termes qu'elles utilisaient, comment elles définissaient ces sujets comme des bons ou des mauvais sujets féministes, ce qui me permettait de décrire comment, à travers ce discours, le féminisme est blanchi, pour reprendre le terme de Sarah Ahmed, « made white », et comment les sujets féministes racisés et altérisés sont exclus par ces discours. Donc, le terme de blanchité féministe, j'utilise pour nommer à la fois la hiérarchie et la relation qui lie les féministes blanches et les féministes non blanches. Évidemment, la relation, elle est asymétrique et elle n'est pas perçue de la même manière des deux côtés, j'en parlerai. Alors, parmi les stratégies discursives pour assurer la position de sujet privilégié du féminisme de la part des féministes blanches, il y a des stratégies très classiques, on va dire, qui ont été bien documentées. Bon, bah, il y a l'universalisme, justement, faire passer le genre avant tous les autres rapports sociaux. Il y a aussi le fait de présenter la question raciale comme un ailleurs. Alors, c'est pertinent si on parle des États-Unis, si on parle d'un ailleurs, mais pas quand on parle, par exemple, de la France. Voilà, donc il y a une manière d'invisibiliser l'enjeu racial, qui était particulièrement forte au début des années 2010. Et puis, il y a encore une autre méthode qui est de reconnaître qu'il y a différentes causes, mais donc de hiérarchiser les causes en disant que c'est important de se préoccuper d'abord du genre et que les autres causes sont afférentes. Alors, comment ces frontières sont tracées? Je vous donne un premier extrait d'un entretien avec une femme qui est salariée dans une grosse association, qui est même une fédération d'ailleurs d'organisation française. Et donc, je lui demande de me parler de ce qui s'est passé en 2004. Donc, à l'époque, c'est pas très loin, c'est 6 ans à peu près auparavant, 6-7 ans auparavant, et de comment son organisation s'est positionnée. Et donc, elle dit, au départ, on ne savait pas. Mais à chaque fois, on écoute beaucoup grâce à la diversité des femmes qui constituent l'association, qui viennent de différents pays, de différents horizons, de différentes couches sociales. On échange aussi avec des Iraniennes, avec des Algériennes. Donc évidemment, je lui parle du voile, elle me parle de l'Iran et elle me parle de l'Algérie. Ce n'est pas un hasard si c'est ces deux nationalités qu'elle va tout de suite prendre, puisque dans les deux cas, il y a eu... des entreprises politiques d'imposer le voile, alors qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi, mais voilà. Donc, différents pays, différents continents. Et donc, je lui dis, mais est-ce que vous avez discuté un peu avec ce que racontaient les gens en face, c'est-à-dire qu'éventuellement, on allait exclure des jeunes filles de l'école? Là, elle me dit, c'est faux. Nos copines algériennes nous disaient, ne tombez pas là-dedans, c'est faux, ce n'est pas vrai. Donc, il ne faut justement pas se dire qu'on va exclure des filles, qu'elles ne vont plus aller à l'école, c'est faux, c'est faux. Et d'ailleurs, on a pu le constater, puisqu'il y a eu à peine une vingtaine de jeunes filles exclues. On peut se dire qu'on en a sauvé beaucoup quand même, et surtout, on a lancé un signe fort aussi à nos copines qui étaient arrivées en 1994, donc pendant le conflit en Algérie. Et qui disaient, si je ne parle pas vol, voilà, ma vie est en danger. Donc, je pense que c'est assez... clair ce qui se passe dans cet entretien, c'est-à-dire que la communauté morale qui est construite par ce discours, c'est celle des copines algériennes, c'est celle des copines iraniennes, c'est celle qui risquent leur vie parce qu'elles ont refusé de porter le voile. Et c'est elles qui auraient l'expertise pour prendre position sur le sujet qui nous occupe, qui est un sujet de jeunes filles qui sont françaises et qui sont scolarisées à l'école publique et qui sont nées en France, qui ne sont pas iraniennes ou algériennes. On retrouve évidemment le white saviorism, c'est-à-dire cette tentation blanche de sauver le monde, qui a vraiment, le discours, il est là, on en a sauvé beaucoup quand même, donc l'idée que le voile est oppressif et qu'il est imposé. Et donc, la solidarité n'est la race, la question que se pose le voile est la question d'un ailleurs, c'est les Algériennes, c'est les Iraniennes. Et la question de la solidarité avec des jeunes filles qui vont peut-être être déscolarisées et qui sont ici et qui sont proches, en fait, elle n'est pas posée. Elles sont exclues de cet horizon politique. Quelque part, il y a une vingtaine, on en a sacrifié une vingtaine. Et ça va comme ça. Donc là, on voit bien que les frontières de cette communauté féministe, elles sont à géométrie variable et il y a un horizon qui est établi
qui va exclure certains sujets féministes, les jeunes filles qui portent le voile, et qui va au contraire inclure d'autres sujets. Alors, je distingue deux modalités de la manière dont justement les femmes altérisées sont altérisées. Il y a les femmes racisées qui vont faire l'objet de ce qui se présente comme un care, donc qui se présente comme un soin, voilà, merci, une attention. Une attention, alors vous allez le voir, très très ambivalente. Et donc ça, c'est par exemple pour des associations qui font du service auprès des femmes, donc qui ont un projet féministe où les femmes qui sont racisées qu'elles rencontrent ne sont pas leur égales dans l'association. C'est des femmes à qui elles viennent donner quelque chose, hein, à qui elles vont rendre service, quand bien même elles auront un discours où en fait elles proposent et les femmes s'émancipent par elles-mêmes. Et donc là, c'est cette attention féministe qui leur est proposée, vous allez le voir, et qui les altérise comme des sujets qui sont encore à éduquer, à émanciper, à améliorer si elles veulent vraiment faire partie du projet féministe. Et puis, il y a une autre configuration où les femmes racisées s'autoproclament comme sujets féministes, comme les égales des féministes blanches. Et là, ça suscite des réactions qui peuvent être des réactions de rejet et de délégitimation de cette affirmation d'une participation à un projet commun. Bon, je vous donne juste deux exemples. Donc là, c'est donc une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences dans la banlieue parisienne. Et la personne qui dirige la maison me dit que donc, oui, effectivement, il y a des femmes voilées qui viennent demander la possibilité d'être hébergées. Et elle dit, donc oui, il y en a une qui est arrivée pour l'entretien d'admission au centre, mais je lui ai demandé d'enlever son voile parce que ici, elle n'a pas... Elle m'a demandé, expliqué qu'elle l'avait fait par choix. Elle avait 12 ans, c'est un peu jeune pour faire un choix. Ceci dit, c'est une femme qui a fait des études, qui revendique le droit de porter son voile et qui dit qu'elle n'est pas dans l'obligation de le porter. Après, elle a son cheminement à elle. Peut-être qu'à travers les discussions qu'on va avoir sur la question des droits des femmes, elle va peut-être évoluer. Et donc, je lui dis, mais pourquoi, en fait, vous lui demandez ? Enfin, est-ce qu'elle a accepté ? Elle me dit, bien sûr. D'un côté, c'est quoi l'option ? Et puis, je lui demande pourquoi vous lui avez demandé ça ? Eh bien, pour moi, c'est un signe d'oppression des femmes. Après, c'est à nous de discuter avec elles par rapport à ça et aussi du choix éclairé qu'elles vont donner à leurs enfants. Alors, là, c'est pareil, je pense que ce n'est pas forcément utile de commenter énormément cette citation. Mais là, bon, donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un double, il y a bien évidemment une posture de supériorité morale et puis il y a une posture de supériorité féministe, en fait, de quelqu'un qui sait c'est quoi la vraie émancipation et qui impose finalement sa définition du contenu de cette émancipation à la femme qui vient demander d'être hébergée. Alors, on voit bien que le fait qu'elle ait fait des études, il y a une forme de... Il pourrait y avoir une... pas une connivence, mais disons une proximité en termes de classe sociale ou en moins de statut. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour que cette personne soit son égale. Et donc, l'idée, c'est ici que c'est un sujet qu'il va falloir éduquer, qu'il va falloir émanciper sur sa condition et sur les droits des femmes. Donc, on s'en occupe, on lui donne de l'attention, on est là pour elle, mais en fait, à travers cette action de donner du care, on discipline ce sujet féministe qui n'est pas, qui ne correspond pas à la norme. Alors, une autre citation pour éclairer le deuxième aspect où là, on parle de femmes racisées qui s'autodéfinissent comme féministes et qui sont présentées vraiment comme des mauvais sujets, des sujets vraiment indisciplinés. Puisque elles sont présentées aussi comme des filles, hein, donc une manière dénigrante de les présenter, des filles immigrées qui se mettent là-dedans. Donc ça fait référence en fait à la première photo que j'ai montrée, hein, la contre-manifestation du 8 mars organisée par les collectifs afroféministes, trans, etc. Et là, évidemment, je parle à quelqu'un qui est dans la manifestation officielle, pas dans la contre-manifestation. Et donc, elle me dit, voilà, elle se fourvoie, donc il y a une mauvaise analyse politique, il y a une méconnaissance de l'histoire du féminisme, il y a une méconnaissance de ce qu'est le vrai féministe qui est représenté par la personne avec qui je parle, et des personnes qui font des vrais boulots. Donc, elle me dit, pourquoi elles ne connaissent pas telle association ? Et je lui dis, mais c'est une association d'aide aux femmes immigrées, ces féministes ne sont pas immigrées.
Voilà, donc il y a un problème à les nommer, à accepter l'identité féministe qui est présentée, puisqu'elles sont présentées comme immigrées, elles sont présentées comme filles, elles ne sont jamais définies avec les termes avec lesquels elles s'autodéfinissent par mon interviewé. Et puis donc, il y a un rejet de l'idée que ce serait une façon adéquate ou légitime de pratiquer le féminisme. Alors, en face à ces discours-là, qu'est-ce que font les féministes racisées? Elles s'organisent, évidemment, de diverses manières pour résister à ces opérations d'altérisation. Alors, il faut souligner qu'en fait, à l'intérieur d'un contexte national et entre la France et le Québec, il y a des manières de politiser la question raciale ou la question religieuse par les groupes féministes qui est très différente selon les contextes, selon la génération. Donc, tout le monde n'adhère pas au même discours. Il y a une grande variété de façons de politiser la question raciale au sein du féminisme et donc l'identité de féministes racisées. Il y avait clairement alors, l'expression d'une fatigue, un sentiment, une émotion de fatigue, de répétition et du ressentiment. Et j'utilise le terme de ressentiment absolument pas de façon négative. J'utilise vraiment, en ce qu'il indique, une adresse morale. C'est-à-dire le ressentiment est l'indication d'une attente morale vis-à-vis de l'autre qui n'a pas été tenue. C'est dans ce sens-là que je l'utilise. D'accord ? Il y a du ressentiment parce que les féministes blanches auraient dû agir d'une certaine manière et elles ne l'ont pas fait. Et donc, c'est un ressentiment qui est une attente morale légitime qui a été déçue. Et puis, donc les féministes racisées s'auto-organisent quand elles en ont les moyens et ont des stratégies de résistance. Et en particulier, une première stratégie qui ici est au Québec, c'est une stratégie de ce que j'ai appelé de déterritorialiser l'universel. C'est-à-dire, non seulement il y a une attente, mais il va y avoir une façon de retracer la frontière entre nous et elle. D'accord ? Donc là, c'est une féministe qui travaille dans une association qui représente et qui travaille avec des femmes du sud-est asiatique à Montréal. Et elle dit, elle raconte quand elle allait à des réunions de fédérations fêtières de toutes les organisations féministes au Québec. Et elle dit, les autres disaient notre pays, parce qu'au Québec, on parle de pays, donc on dit notre pays. Et elle disait nous autres, puis vous autres. Et quand elles n'étaient vraiment pas conscientes de ce qu'elles faisaient, donc de se poser comme elles, les membres du pays, et de désigner les féministes qui représentaient les femmes d'organisations de femmes racisées, de femmes immigrées, je leur disais, mais quand vous dites « nous autres », est-ce que vous voulez dire CFCB ? Elle dit, mais qu'est-ce que c'est CFCB ? Elle dit, CFCB, c'est Canadienne, Française, Catholique, Blanche. Et donc, elle détestait ça. Et donc là, l'interviewée rit. Elle dit, elle se sentait vraiment injuriée, mais je pense qu'elles ont fini par comprendre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle détériorise, c'est-à-dire elle spécifie une identité qui se présente comme universelle, qui se présente comme neutre, comme invisible, ce que fait la blanchité, et elle la nomme. Elle dit, mais non, en fait, vous n'êtes pas le pays, vous n'êtes pas nous, vous êtes des femmes françaises d'une culture catholique et vous êtes toutes blanches. Et ça, c'est votre identité. Donc, il y a cette manière de sortir, respécifier finalement la position de la blanchité qui s'énonce comme une position universelle. Une autre façon, c'est d'essayer de s'auto-organiser pour résister à la violence de cette altérisation raciste. Et donc là, une interviewée me raconte un événement qu'elle organise dans le cadre d'un congrès, d'un grand forum où il y a beaucoup d'organisations féministes, il y a aussi des académiques. Et elle a organisé sa table ronde sur la question du féminisme musulman, donc selon ses propres termes. C'est important à comprendre puisque, évidemment, arrive de la salle des questions qui demande aux intervenantes de redétailler mais quelles sont les difficultés qui se passent dans les mosquées. Et donc là, elle me dit, mais tu sais, c'est de la porno de l'oppression des femmes musulmanes, c'est du voyeurisme. Moi, je lui ai juste dit, c'est pas original, vous savez, madame, c'est pas exotique. C'est du sexisme et de la misogynie basique. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Appliquez ce que vous connaissez dans vos milieux à ça et vous trouverez la même chose. Et elle ajoute, et tu sais, pour moi, c'est un des moments les plus forts parce que j'ai refusé de me laisser entraîner sur le terrain des régale-nous avec tes histoires de Scheherazade, avec des histoires de l'oppression des musulmanes que tu connais. Donc, évidemment, ce qui est important ici, c'est que
parce qu'elle a organisé le colloque et parce que donc elle a défini les règles de l'interaction selon ses propres termes, elle peut refuser les opérations d'altérisation, d'exoticisation, de marginalisation qui sont implicites dans les questions qui viennent de la salle. Une dernière façon, donc, enfin, en tout cas, ce qui sous-tend ces techniques ou ces façons d'essayer de résister à la blanchité féministe, c'est une volonté de redéfinir le « nous » féministe, parfois même jusqu'à utiliser le langage de l'amour. Mani dit à un moment « vous devez accepter que nous sommes là et en fait, vous devez nous aimer, sinon ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas juste nous tolérer. » Donc là, il y a bien l'idée qu'il y a une adresse morale, émotionnelle, mais aussi morale, qui est très très forte, politique et morale, d'une communauté qui ne serait pas basée sur la tolérance et sur la symétrie, mais qui serait basée sur le fait de vraiment prendre soin les unes des autres et de se traiter comme des égales. Parce que ben, l'amour, ça se passe entre personnes qui sont égales. Donc, je vais finir, parce que le temps qui m'est imparti est terminé. Du coup, à partir de ces éléments, les questions évidemment qui se posent, c'est est-ce qu'on peut imaginer des relations morales entre féministes qui ne soutiennent pas les hiérarchies raciales, qui instaurent des relations égales? Comment on démantèle la blanchité féministe? Est-ce possible ou est-ce que c'est pas possible? Ce qui est intéressant, il me semble, c'est qu'au lieu d'essayer de fonder le féminisme sur des valeurs communes, sur des définitions de l'émancipation, sur lesquelles il faudrait s'accorder avant de pouvoir participer travailler ensemble, d'avoir ce « nous », il s'agit de, il me semble, reconceptualiser plutôt les relations entre féministes qui sont au fondement de cette communauté. Traiter bien et traiter comme des égales tous les sujets féministes, c'est-à-dire tous les sujets qui s'énoncent ou qui se réclament de cette identité. Alors, je ne vais pas développer là-dessus. Mais voilà, donc ce que, en tout cas, j'essaye de proposer à la fin du livre, c'est donc de plus trouver cette ontologie du féminisme, ce « nous », de plus essayer de le définir à partir d'une identité, mais à partir du type de relation que le projet féministe essaye d'instaurer entre ses membres. Donc pas dans la relation de représentation ou d'aide des autres femmes dont on serait soi-disant en train de faire avancer la cause, mais de centrer le projet féministe autour de cette appartenance à une communauté morale qui crée des relations morales entre féministes et qui reconnaissent le fait que, en fait, on n'a pas toutes les mêmes responsabilités dans cette communauté. Parce qu'en fait, on est dans des positions asymétriques, il y a des relations de pouvoir qui traversent cette communauté, et que selon la position où je me trouve, j'ai plus ou moins de responsabilités vis-à-vis des autres. Et donc, plus j'ai de privilèges, plus j'ai de responsabilités dans les relations que j'instaure avec les autres membres de cette communauté. Et puis donc, voilà, dans le livre, j'essaye de pointer vers des pratiques qui permettent, enfin, des mises en pratique de cette idée de centrer le sujet féministe sur les relations entre féministes, avec ce que j'appelle une éthique féministe de la responsabilité, qui promeut un certain nombre de façons d'aborder les questions conflictuelles au sein du féminisme. Et je m'arrête là et je vous laisse sur deux magnifiques citations de deux grandes théoriciennes qui, je pense, nous rappelle l'importance de ce projet de démanteler la blanchité au sein du mouvement féministe. Voilà, merci beaucoup, merci pour votre patience. Merci infiniment pour cette présentation passionnante, très dense, qui à la fois effectivement permettait de revenir à la première problématique du séminaire, de réfléchir sur. Enfin, de restituer une enquête, les difficultés qu'on rencontre, les choix qu'on fait, à la fois les choix épistémologiques, le choix des mots, etc., des catégories qu'on va utiliser, et d'autre part, d'avoir aussi présenté, d'avoir ouvert sur la réflexion qui est effectivement l'ossature du livre, et qui... Prends le micro. Ah oui, pardon. Micro. Oui, pardon. Et qui... micro. Et donc, qui
propose donc de repenser cette éthique féministe de la responsabilité, mais qui, à mon sens, c'est juste un commentaire, c'est pas vraiment une question, enfin, j'ouvre juste le débat et après je donne la parole à la salle, qui, au fond, je trouve, est aussi un projet politique en lui-même, enfin, ce qu'il me semble, cette idée de réfléchir à une éthique féministe de la responsabilité qui pourrait aussi constituer un modèle de réflexion sur ce que c'est qu'une communauté politique de manière générale. Voilà, c'est ce qui m'est venu en vous lisant et en vous écoutant, mais je donne tout de suite la parole à la salle. Il faudra demander le micro, oui, pour ceux qui sont à distance. Circule, là. Ah oui. Oui, mais je ne voulais pas poser une question. Je disais que je pouvais prendre le micro de Naïma pour faire circuler par ici. Moi, j'ai des questions éventuellement, mais encore une fois, c'est ouvert à la salle peut-être d'abord. Voilà, nous, on peut discuter après. Donc, sinon, je lance et comme ça, vous avez le temps de formuler votre question. Bon, merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. Et puis bon, Naïma a bien rappelé du coup aussi l'enjeu de méthode et puis en même temps qui est généraliste, voilà, aussi pour nous et puis pour le séminaire et puis l'objet de l'ouvrage. Alors je voudrais revenir en fait peut-être, bon, vraiment sur la fin parce que la partie la plus philosophique et qui est vraiment le dernier chapitre et la conclusion de l'ouvrage. En fait, et c'est une question, voilà, pour m'inviter aussi à peut-être situer ton travail parmi d'autres types aujourd'hui de recherche féministe. Il me semble que tu essayes de pas désespérer du sujet féministe, voilà. Et c'est pas évident. C'est-à-dire, bon, il y a les attaques externes, et puis en même temps, il y a ce qui se passe en interne, au mouvement, au pluriel, et ce n'est pas toujours évident, voilà, de ne pas désespérer d'une forme d'unité malgré l'hétérogénéité ou avec l'hétérogénéité. Et dans le livre, ce n'est pas un mot que tu as prononcé dans la conférence, mais dans le livre aussi, tu dis c'est très bien de critiquer toutes les tentatives d'appropriation en fait du mouvement féministe et donc d'exclusion, voilà, de certaines femmes, de certaines catégories de femmes. La critique, c'est bien, ça, on sait beaucoup faire. C'est la position depuis Butler aussi, critiquer l'identité, les fausses identités, les faux sujets féministes. Et en même temps, c'est bien d'avoir une dimension encore reconstructive ou utopiste, voilà. Comment maintenir, voilà, un horizon utopiste pour le féminisme? Comment maintenir l'espoir aussi? Et voilà, et je voulais t'interroger là-dessus parce que justement, Vanina Mozzi-Conacci, qui est une philosophe qu'on accueille dans un mois, elle vient de publier un ouvrage qui s'appelle Qu'est-ce qu'une éducation féministe ? Et elle se situe un peu dans une démarche comparable à cet endroit-là, c'est-à-dire elle s'intéresse notamment à toutes les critiques des pédagogies féministes ou de l'éducation même en général comme levier de la lutte féministe. Et elle dit en même temps, c'est bien de critiquer, mais c'est bien de proposer. Et de continuer à essayer de construire, voilà, aussi un sujet féministe, pour la lutte. Et je trouve cette démarche là aussi intéressante, mais parce que j'ai l'impression que ces dernières années, on a plutôt été confronté à pas mal de dystopies aussi féministes, y compris dans un féminisme peut-être plus grand public, enfin plus médiatisé, et de retrouver, voilà, la dimension utopique du mouvement. Et voilà, j'aimerais juste que tu nous en dises un petit peu plus là-dessus. Oui, j'essaye de ne pas désespérer. Je veux dire, parce que l'alternative n'est pas super. C'est difficile d'écrire des livres quand on est désespéré. Alors oui, c'est juste, d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai présenté le bouquin et j'ai été discutée par quelqu'un que je nommerai pas, mais qui est une grande figure. De la théorie féministe post-structuraliste américaine, c'est pas Butler quand même, mais non, mais bon, bref, quelqu'un quand même, et qui grosso modo m'a dit, mais enfin, c'est quoi ce délire de vouloir encore trouver une définition du sujet féministe, quoi, que genre j'avais tout faux. Bon, alors je me dis, à 75 ans, peut-être que peut-être que j'ai le droit, moi, d'essayer. Mais voilà, donc j'ai reçu cette critique-là. Hein. J'ai reçu cette critique de, voilà, il n'y a rien au-delà de la déconstruction. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit que les fondations du sujet féministe, elles sont impossibles, parce que dès qu'on propose une fondation, on exclut, ben, on sait ça, et puis ben, on continue
comme on fait. Voilà, donc on continue avec des conflits et des crises. Et bon, mon propos n'est pas de dire il n'y aura plus de crise avec ce que je suis en train de dire. Les conflits vont continuer, les crises vont continuer. Hein. Moi, j'essaye juste de me trouver une réponse satisfaisante par rapport à... Enfin, je pense que le souhait de proposer quelque chose qui soit aussi une proposition normative, je trouve qu'en fait, c'est aussi une responsabilité que j'ai, en fait. Parce que dans la position où je suis, où j'ai tout loisir de faire de la théorie, j'ai que ça à faire, je veux dire, ben alors, si, c'est quand même... quelque part, oui, si je pense que... Si moi je continue à réclamer cette identité pour moi, alors le minimum que je peux faire, le minimum de ma responsabilité, c'est d'essayer de réfléchir à ce que ça veut dire. Donc en fait, voilà, je ne sais pas si c'est une réponse très satisfaisante, mais honnêtement, je pense que j'en ai pas d'autre. Alors c'est une réponse qui vient d'une position de privilège, voilà, très clairement. Mais à la fois, j'ai consacré mon énergie à essayer de trouver une réponse. Pour moi, le truc, et peut-être, alors c'est peut-être utopiste au sens vraiment très, très naïf, mais comme je le dis dans le livre, mais pour moi, l'idée, qui est sûrement que ça ne va pas marcher, mais le souhait, c'est de dire, on peut récupérer, il y a quelque chose à récupérer, c'est-à-dire que il y a certes plein de féministes qui disent des choses politiquement dramatiques, éthiquement pas possibles, et qui reproduisent des hiérarchies de façon voilà. Mais peut-être que on peut trouver un discours qui fait appel chez elles à quelque chose, qui est ce pourquoi elles se disent féministes, qui leur permet de, ok, on laisse ce conflit, on ne va pas se mettre d'accord, mais peut-être on trouve une façon pragmatique d'avancer. C'est-à-dire, on dit, ben non, par exemple, en fait, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'en fait, quand on dit qu'il y a 20 élèves qu'on a sacrifiés, en fait, ça ne va pas, parce que d'un point de vue éthique, on va se mettre d'accord qu'en fait, on ne peut pas faire de la politique comme ça. Donc, c'est une manière de déplacer le sujet, c'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas de parler de qu'est-ce qu'elle pense du voile, je l'ai assez entendu depuis assez longtemps, puis ça, voilà, je vais avoir beaucoup de mal à les faire changer là-dessus. Mais est-ce que je peux entamer une discussion sur, d'un point de vue éthique, est-ce que je peux faire ma politique en disant, j'en ai sacrifié 20 ? Qui sont les plus vulnérables ? Qui sont des filles mineures ? Qui ne peuvent pas se payer l'école privée, peut-être, est-ce qu'on peut réfléchir à ça? Alors voilà, c'était ma façon d'essayer de dire, bah, peut-être que si on parle de ces sujets-là, on ne sera toujours pas d'accord, il y aura toujours des crises, mais peut-être là, on arrive à récupérer quelque chose de ce qu'on peut dire être une éthique féministe qu'on partage. Voilà, mais c'est peut-être complet. Je suis tout à fait prête à entendre que c'est naïf et absurde et que, au fond du fond, le racisme est une force structurelle qui est un rouleau compresseur. Ce n'était pas du tout le sens de ma question. Je suis prête à l'entendre parce que je pense que ma proposition, elle vient de d'une position privilégiée. Donc voilà, je peux me permettre d'être naïve et utopiste. Voilà. Donc j'en ai conscience que ça vient de. Ça parle de cet endroit-là aussi. Et si je peux enchaîner avant de laisser la parole à la salle, parce qu'en fait, j'ai relu pour préparer ta venue aussi des anciens articles de toi, dont Malaise dans le concept, qui est vraiment cité dans... Voilà, c'est devenu un classique des études de genre en France. Aussi, quand même. Non, il est très souvent cité. Enfin, tu étais une des premières à parler d'intersectionnalité quand même en France. Et j'ai relu aussi, mais ça, parce que c'est plus en lien avec mes travaux personnels, mais ton article sur le concept d'autonomie de 2011. Et en fait, il me semble que dans ces deux articles, tu n'en es pas là où tu es, là, dans cet ouvrage-là. C'est-à-dire, tu dis, tu appelles à une sorte de programme qui serait, il faut créer un sujet féministe politique, il faut trouver une façon de créer un sujet de lutte. Mais tu n'as pas encore trouvé comment, non, à ce moment-là. Et bon, tu es allé un peu vite sur la fin, mais peut-être ça peut intéresser tout le monde de savoir comment, en fait, tu as trouvé. Parce que là, tu proposes une solution pour remplir ce programme, en fait, cette idée de responsabilité, d'éthique de la responsabilité féministe. Comment est-ce que c'est des échanges avec d'autres féministes? Est-ce que c'est ta découverte, par exemple, la théorie du CAIR? Voilà, là, il y a quelque chose. Comment ça s'est fait? Je vais te dire un petit peu
sur le terrain, voilà, parce qu'on sait très bien qu'après on reconstruit et on fait des trucs tout beaux, mais comment ça s'est fait concrètement? Et puis, peut-être en lien aussi avec ce que tu as dit, il y a un concept qui n'apparaît pas, je crois, dans l'ouvrage, tu vois, que tu n'utilises pas, c'est le concept de sororité, par exemple. Est-ce qu'il est utilisé par tes interviewés, mais tu ne le reprends pas? Ou est-ce que l'ouvrage est lu vite et il y a un passage où tu parles de ça? Parce que dans cette idée de relation, de penser avant tout à nos relations, pourquoi pas, ça pourrait être même si c'est un concept qui a été critiqué, etc. Et aujourd'hui, il revient aussi un petit peu parfois en odeur de. Enfin voilà, il est réestimé. Qu'est-ce que tu en fais, toi, du coup, ou pas? Alors, oui, alors c'est généreux de dire que j'ai trouvé ce que je cherchais. Je suis pas encore tout à fait là. Alors, moi, je connaissais les théories du Caire en fait depuis longtemps, et je ne savais pas. Il y avait quelque chose que je reconnaissais, mais que je n'étais pas capable d'utiliser. Donc, c'est des choses que j'ai lues sans les mobiliser dans mon analyse ou dans mes analyses ou dans mes travaux pendant longtemps. Et tout à coup, je ne sais pas, ça a fait tilt. Je pense que c'est en particulier le bouquin de Tronto, parce qu'elle avait cette manière de dire, je ne sais plus comment le bouquin s'appelle, il s'appelle... je pense qu'il y a le terme boundaries dedans, mais bon. Elle a cette manière de dire la morale est politique et le politique est moral. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était très utile pour moi, parce que sinon, j'étais empêtrée dans un truc où, grosso modo, c'était... en fait, c'est une question politique. Il y a des féministes racistes et il y a des féministes qui ne sont pas racistes. Et puis, cette ligne de partage nous suffit pour comprendre et pour analyser l'intégralité du problème. Ce n'est pas faux. C'est en grande partie vrai. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est faux, au contraire. Mais je ne trouvais pas ça satisfaisant parce que, il y avait l'idée qu'on n'allait rien pouvoir faire, c'est-à-dire qu'on ne pourrait jamais convaincre. Et puis surtout, il y avait une dissonance, parce que par exemple, il y avait certaines féministes qui avaient des propos racistes ou islamophobes, puis qui étaient des personnes qui avaient été investies dans un certain nombre de luttes, qui avaient pu être pionnières dans la question de l'organisation d'un certain nombre de groupes de femmes immigrées, donc qui ne se vivaient pas du tout comme ça, qui avaient des... Alors, je sais bien qu'en fait, il y a plein de formes d'antiracisme, mais ce n'était pas non plus complètement leur rendre justice de comprendre leur analyse seulement ces termes-là. Donc voilà, donc quand j'ai dit, mais en fait, oui, bien sûr, cette dimension politique, elle est cruciale, mais en fait, il y a aussi une dimension morale. Je pense que ça m'a, c'est ça qui m'a, et que je pouvais me permettre de lier les deux. Et puis après, c'est une question de liberté qu'on se donne, de finalement plus rester dans sa discipline, c'est aussi simple que ça. Donc puis finalement, je lis des philosophes, et puis je me dis, je comprends quand même. J'ai pas l'impression d'être complètement à côté de la plaque, donc peut-être qu'en fait, ça va... Peut-être qu'en fait, ça peut me servir. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment ce voyage-là vers d'autres disciplines ou des choses que je pouvais d'ailleurs lire depuis longtemps, mais de me dire non, mais en fait, je vais discuter ça. Je vais vraiment l'utiliser, je vais le confronter où ça peut me permettre de comprendre ce que je suis en train de travailler comme matériau empirique. Alors le concept de sororité, effectivement, en fait... Il apparaît, ce n'est pas un vocabulaire qui était présent dans les entretiens. Et il y avait eu tellement de critiques, ça ne me semblait pas forcément utile de revenir dessus parce qu'il aurait fallu à nouveau le redéfinir différemment. Et je me disais à quoi ça sert, quoi, parce qu'en fait, les critiques, elles sont là. C'est quand même pas... Et puis, en fait, je me méfie. J'ai dit que je parlais... Enfin, cet entre-soi... Plus on regarde le substrat émotionnel d'un certain nombre de discours féministes, on voit bien qu'en fait, ces émotions ne surgissent parce qu'on est dans des formes d'entre-soi, qui peuvent être tout à fait nécessaires quand c'est des non-mixités de personnes qui sont minorisées. Mais quand c'est des femmes blanches, c'est pas forcément... qu'il y a des entre-soi qui favorisent l'adhésion au sujet féministe, le fait de se dire féministe, et que ça, c'est soutenu par des émotions, d'accord? C'est soutenu par des émotions qui peuvent être la joie, il y a une joie féministe. Parfois, on est en manif, ou parfois, on lit un texte, et puis on a quelque chose, on ne peut pas l'appeler autrement qu'une forme de joie féministe, manière de se reconnaître, de faire la lumière sur son expérience, de donner un sens à son expérience vécue.
Voilà, donc c'est une façon de se subjectiver, de devenir sujet. Et ça, c'est porté par des émotions. Mais le problème, c'est que souvent, en fait, c'est des émotions qui n'existent que parce qu'on est dans un, quand c'est collectif, que parce qu'on est dans un entre-soi. Parce que quand on n'est plus dans l'entre-soi, par exemple, de femme blanche, bah, y a des émotions qui ne sont pas aussi agréables. Voilà, parce que il faut prendre en compte les rapports de pouvoir, il faut y faire attention. On n'est pas dans la spontanéité de l'émotion, c'est ça que je veux dire. On est, bah non, il faut en fait, on est responsable de ce qu'on raconte, on est responsable de la manière dont on se comporte. On ne peut pas juste se laisser porter par quelque chose de spontané. Donc je dis pas que c'est pas bien d'être spontané ou quoi, mais du coup, voilà, pour moi, le terme de sororité, il charrie quelque chose qui relève du registre de quelque chose qui n'aurait pas besoin de s'expliquer, qui serait spontané, qui serait du domaine d'une affectivité émotionnelle. Alors que je pense qu'en fait, quand on est sur ce registre-là, on risque de faire des... on va produire des exclusions parce qu'on va produire de l'entre-soi pour être dans ce confort. Mais voilà, il y a plein de gens, Bernice Reagan l'a dit, il y a le texte sur la coalition, il est très connu, de dire, non, on n'est pas à la maison, on est dans la coalition c'est du travail et ça sera désagréable. Et donc, je pense qu'il faut prendre le féminisme comme un travail. C'est du travail, en fait. C'est du travail et quand je vais au travail, parfois j'ai des super moments avec mes collègues et c'est génial. Et parfois, mes collègues me saoulent. Mais je les respecte parce que c'est du travail et il y a une manière de se comporter. Donc bon, c'est un peu une caricature ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'en fait, on aurait avantage à penser en ces termes-là. Pas plaquer le registre du travail, ça n'est pas que du travail. Mais il me semble que c'est important. Donc du coup, la sororité, c'est pas... ça me parle pas, quoi, pour élaborer ça. Si. Oui, elle est à la salle, ouais. Mais j'aime beaucoup être contredite. Si vous voulez faire un plaidoyer pour la sororité, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour l'intervention. Ma question, elle suit un peu celle-ci et ce qu'on vient de parler. En fait, je voulais savoir si c'était possible de développer un peu le concept d'éthique féministe de la responsabilité. Mmh. Et donc, du coup, j'avais l'impression que l'exemple que vous citiez sur les émotions pourrait illustrer un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait, pour une responsabilité... Enfin, justement, pour savoir si je me trompe en ayant bien compris... est-ce qu'il faudrait une forme de maîtrise un peu de ses émotions quand on n'est plus en entre-soi pour en fait essayer de préserver la sensibilité d'autres personnes et donc vous parliez aussi du pardon, de reconnaître aussi dans les moments désagréables quand on a blessé quelqu'un. Je ne sais pas si c'est ça, si c'est autour de tout ça que vous avez imaginé l'éthique féministe de la responsabilité. Et ma deuxième question, si ça ne fait pas trop long, c'était je me pose la question de là, vous parliez d'un axe, deux axes, ou plusieurs axes qu'on n'a pas développé plus que deux ou trois. Est-ce que, vu que le féminisme est quand même du militantisme à la base, est-ce que c'est utopiste d'imaginer un pluriaxisme, en fait parce qu'après, est-ce qu'on ne se perd pas trop dans les combats? Est-ce que, à quel point c'est pensable et est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question? Merci beaucoup. Alors, tout est pensable, hein. Il n'y a pas de limite. Sur la première question, alors je dirais que ce n'est pas qu'il faut supprimer les émotions, c'est qu'il faut les réguler. C'est-à-dire, ça doit impliquer des nouvelles grammaires émotionnelles, j'ai envie de dire. Mais non pas, vous avez formulé ça comme pas heurter la sensibilité, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas une question de sensibilité, c'est une question de produire des exclusions politiques et des exclusions morales. Donc, ce n'est pas que... je t'ai fait de la peine. Non, c'est que j'ai dit quelque chose qui laissait entendre qu'en fait, tu ne faisais pas partie de mon projet. C'est pas que je dirais qu'il ne faut pas heurter la sensibilité des gens. On n'est pas des petites choses fragiles. C'est pas ça. C'est pas le registre émotionnel au sens où il faudrait. Faire attention aux sentiments des gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention aux sentiments des gens. Je dis que ce n'est pas le problème que je pose. Je pose le problème de la manière dont certaines émotions performent, en fait, des exclusions. D'accord ? Donc, elles peuvent le faire en plus en heurtant la sensibilité des gens, mais elles peuvent le faire de plein d'autres manières. Elles peuvent aussi le faire en étant très sympa et en donnant beaucoup d'attention aux gens. Oui. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément la même chose. Et donc, la question, c'était quoi ?
Peut-être du coup définir un peu cette responsabilité, à quoi elle pourrait ressembler. Enfin, je ne sais pas si vous avez des exemples. Alors oui, donc du coup, non, parce que vous reparliez de promesses et des promesses et des pardons, oui. Alors ça, c'est une chose, effectivement, parce que oui, ça c'est bien, parce que c'est une salle que j'ai pas eu le temps de faire. Alors, je reprends cette idée de Hannah Arendt, hein, en toute simplicité. Il y a des fois, il faut, voilà, c'est très bien. Dans La Condition humaine en particulier, Hannah Arendt dit, mais en fait, une communauté politique, donc elle ne parle pas du féminisme, c'est pas une théoricienne du féminisme, mais elle parle, c'est une théoricienne du politique, elle dit en fait, qu'est-ce qui fait tenir une communauté politique ? C'est la promesse et le pardon. Alors c'est marrant parce que la promesse et le pardon, c'est quand même aussi des opérations éminemment morales, mais elle parle pas du tout, elle n'utilise pas du tout le vocabulaire de la morale, Arendt. Promesse et pardon. Et donc, je reprends ça dans le livre en disant, effectivement, c'est un bon indicateur de qu'est-ce qu'on peut, enfin, des façons dont on peut, du coup, envisager ce qui lie les sujets féministes entre eux. Et donc, c'est cet exemple de Soraya qui raconte... que justement, donc elle est allée au grand congrès des associations féministes québécoises, et puis elle représentait des féministes musulmanes, mais elle a aussi été très active au sein de la fédération, etc. Et puis elle raconte que il y a eu une grande gaffe, ce qu'elle appelle une gaffe, de la part des femmes racisées, puisque la FETIER, donc c'est la Fédération des femmes du Québec, votait sur une nouvelle charte. Et il y avait la question de savoir, est-ce qu'on va lister toutes les identités de genre et de sexualité ? Ou est-ce qu'on dit juste identité de genre au pluriel et puis on ne nomme pas, d'accord ? Bon, donc c'est un objet, donc il faut voter sur tous les articles. Et puis elle dit, les femmes racisées, on n'a pas voté avec... les femmes trans, les personnes intersexes qui voulaient ça. Et elle dit que ça a été un moment tellement tragique. Donc elle a vécu sur le mode du tragique. Et donc là, enfin voilà, pour vous dire comment l'enjeu moral, politique et émotionnel, il est fort. Parce qu'elle dit qu'on pensait bien faire en voulant skipper la liste. Mais elle voulait être nommée parce qu'elles ne l'ont jamais été. Et ça a été une grande erreur. Et on a vraiment ramé. Et puis on s'est excusé. Mais ces femmes-là ne reviendront plus. Bon, finalement, elles sont revenues parce que la fédération a été dirigée récemment par une femme trans. Mais donc, je trouve ça intéressant parce que voilà, il y a cette idée qu'il y a cette promesse de faire communauté, mais que là, il y a la réalisation qu'il y a une demande qui n'a pas été entendue et que donc, c'est pas juste une demande politique, enfin, au sens de il y aurait une ligne à prendre sur la question trans, parce que la ligne, elle est partagée. Mais là, c'est vraiment une demande de la relation qu'on va instaurer, qui est une relation qui nécessite d'être nommée. Et que le groupe dont Soraya fait partie n'a pas saisi cet enjeu-là. Et donc, elles sont allées demander pardon. Parce qu'en fait, si on veut qu'une communauté politique, elle continue à perdurer, non seulement il faut faire la promesse qu'on va bien se traiter, il faut faire la promesse qu'on va se traiter de façon égale, mais il faut aussi s'excuser quand on fait des erreurs, en fait. Donc ça, c'est effectivement un exemple des pratiques qui fondent cette communauté. Et puis, par rapport à cette éthique de la responsabilité féministe, je détaille rapidement dans le livre trois pratiques que moi, j'identifie. Il y en a une donc, qui est mettre les fins et les valeurs en relation. C'est une manière de dire, en fait, je ne peux pas présupposer, quand j'adhère au projet féministe, que la manière dont moi, j'y adhère, l'intensité avec laquelle j'y adhère, la façon dont je l'investis, elle est partagée par tout le monde. Et que tout le monde va adhérer au projet de la même manière que moi. D'accord ? Ça veut dire qu'à un moment, en fait, peut-être que lutter contre l'islamophobie, c'est plus important que de défendre mordicus tel point qui, moi, me semble très important, m'attache au projet féministe. Ça veut dire être capable de mettre les fins et les valeurs en relation avec celles des autres. Et particulièrement, ne pas s'attendre à ce que tout le monde ait le même rapport au féminisme que moi. Parce qu'en particulier, si moi je suis une femme blanche, le féminisme, c'est... Voilà, mais non, tout le monde ne va pas avoir ce même... n'a pas ce rapport-là et n'a pas le même système de... Les mêmes fins, ne poursuit pas les mêmes fins et n'a pas la même hiérarchie des fins.
Placer l'expérience de l'autre au centre de mes jugements moraux, ben ça, c'est quand même assez fondamental. Donc, ben, pour reprendre l'exemple des 20 personnes qu'on a sacrifiées, voilà, bon, ben, en fait, si ça veut dire que j'ai écouté mes copines algériennes et iraniennes, je n'ai pas écouté les jeunes filles. Je n'ai pas placé leur expérience au centre, j'en ai pas fait le point de départ de mon analyse. À partir de là, qu'est-ce que je vais produire comme réflexion? Bon, voilà, donc je n'ai pas placé leur expérience au centre de mon jugement moral. Et puis, traduire les demandes féministes, ben, je pense que c'est, pour prendre un exemple, c'est dans cette opération de dire, bon, ben, il faut qu'on puisse adhérer alors même qu'on a des modalités d'adhésion qui sont différentes, alors même qu'on a des investissements émotionnels qui sont différents, il faut qu'on puisse adhérer de façon concomitante et commune. Et une des manières d'essayer de créer ça, c'est de faire des opérations de traduction des demandes féministes. Alors, je donne un exemple, j'en ai pas trouvé 40, hein, mais j'en donne un exemple. Par exemple, au Québec, il y avait un exemple de dire, bon, bah, alors il y a une résistance à ce que l'association se focalise sur la question des femmes immigrées et de la reconnaissance des diplômes. Parce que la question de la reconnaissance des diplômes des immigrés, ça ne semble pas a priori être un item super, super haut sur la liste de notre membership, comme on dit au Québec. Bon, bah parce que le membership, il n'est pas immigré. Donc, voilà. Alors, on va retraduire ça. On va retraduire ça dans la question de l'indépendance économique, de l'accès au marché du travail. Donc, on va retraduire ça dans des termes que la base peut comprendre, à laquelle la base peut adhérer, d'accord? Donc, sur le voile, on aurait pu juste dire l'accès à l'éducation, hein. Parfois, il faut revenir à des trucs très, très basiques. Mais c'est bien, il faut le traduire dans des termes basiques. Donc, voilà. Donc, l'idée de traduction, c'est de dire, en fait, on peut pas présupposer qu'on va toujours tous s'entendre sur les termes et qu'on va les investir du même sens. Et donc, on doit faire des efforts de traduction. Je ne dis pas que ça va marcher à chaque fois, mais on doit tenter de traduire dans des choses qui soient reconnaissables. Parce que bien sûr, on peut demander... Alors, on a écrit avec une collègue, une doctorante, un article sur sur la Suisse et sur la... Vous savez qu'on a une grève féministe en Suisse qui est hyper active. On est hyper fiers de notre mouvement féministe en ce moment. Et donc, voilà, et on montre bien, bah, voilà, bah, alors, bah, quand ça a commencé et que le terme d'intersectionnalité est arrivé, bon, bah, des féministes de 60 ans et plus qui ont une manière de militer, qu'on fait survivre le féminisme suisse à travers des décennies dans un pays particulièrement conservateur, elles sont là, mais qu'est-ce que c'est? Bon, bah, faut leur traduire, en fait. Faut leur traduire dans des termes qu'elles comprennent. Et puis, parce que c'est la Suisse et pas la France, elles comprennent. Et donc, au bout de 6 mois de militantisme en commun, elles comprennent grosso modo, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin. Mais parce qu'il y a eu un effort de traduire dans des termes qui soient reconnaissables. Voilà. Et ça veut dire aussi pas présupposer que parce qu'on ne comprend pas tout de suite, on ne peut plus être récupéré pour le projet, quoi. Donc, voilà, par exemple. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que vous vous inscrivez dans l'histoire de la sexualité de Foucault? Parce que pas du tout. Pas du tout. Ouais. Une autre question. Parce que bon, dans votre introduction, j'ai pensé beaucoup à la méthode que Foucault. Parce que vous savez, la première critique du féministe, c'est de dire que c'est pas marxiste, quoi. Et Foucault vient de Marx. Et donc. Je vais rapide. Hein. Et puis, on va appeler ça un raccourci. Voilà, il faut bien tenir compte des oppressions croisées, déjà, chez Marx et Foucault, quoi, là, la question. Donc, quand vous parlez du projet féministe, en fait, c'est lequel? Vous dites qu'il y a du désespoir, oui, mais quel est le projet, en fait, féministe? Est-ce que c'est possible de le définir? Parce que, regardez, vous avez en politique, je ne sais pas, un Macron qui crie son projet, les gens, personne ne comprend, mais ils votent, les gens. Il n'y a pas besoin de comprendre forcément, quoi, pour militer, pour être d'accord. Je sais pas. Alors, quel est le projet féministe? Parce que dans l'avenir, c'est quoi le projet? Alors, est-ce que c'est vraiment l'égalité? Je vais vous faire une réponse en mode auto-promo, comme dirait un chroniqueur de France Inter. Il se trouve que ça me donne l'occasion de dire qu'en fait, mon livre est en open access, il est gratuit sur le site de Oxford University Press. Et donc, en fait, si vous voulez savoir ma définition du projet féministe, vous avez 220 pages.
en PDF gratuit, vous pouvez le télécharger, ça répondra mieux que moi, mieux que je ne peux le faire dans le temps qui nous reste. Alors bonsoir. Moi, c'est plus une remarque qu'une question. C'est sur la responsabilité. Mmh. Est-ce qu'on parle d'une responsabilité individuelle ou d'une responsabilité collective? Et par exemple, j'ai remarqué que toute votre présentation est vachement axée sur le langage, etc. Et est-ce que derrière, ça implique la responsabilité au niveau du langage, de ne pas dire le mauvais mot, etc. Et ça, je trouve que souvent, c'est un truc qui résulte du féminisme intersectionnel, de vachement rapporter le combat politique au langage, alors même que c'est déjà classiste en un sens où c'est une forme intellectuelle et que tout le monde n'a pas accès à cette capacité de s'éducation et d'utiliser les bons termes au bon moment. Et de là, si on ne peut pas responsabiliser individuellement en demandant de dire les bons mots aux personnes, on ne peut pas demander une responsabilité individuelle à chacune. Mais, sinon, si on, voilà. Et donc ensuite, quelle forme la responsabilité collective est-ce qu'on pourrait imaginer? Moi, j'avais pensé comme ça, peut-être juste la forme, la force d'action en termes de nombre de militantes, de personnes qui ont des privilèges, qui accompagne des personnes dans d'autres combats, quoi. Mmh, mmh. Mais sans être à la tête du combat. Donc voilà, c'était juste une ouverture de pistes et questions pratiques un peu. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Ben, absolument. Alors évidemment, en fait, c'est pas que individuel. C'est sûr qu'en fait, c'est collectif parce que il s'agit pas seulement de bien parler ou utiliser les bons mots. Il s'agit de démanteler des hiérarchies, des rapports de pouvoir internes. Donc c'est sûr qu'en fait, ça va prendre de l'action collective. Vous avez complètement raison. Et donc, une des manières de le faire, bah, c'est de regarder, le mouvement québécois l'avait fait à un moment, mais en fait, où va l'argent? Où va l'argent? Quelles sont les associations qui reçoivent de l'argent? Dans ces associations, où sont les femmes racisées? Est-ce qu'elles ont des postes subalternes ou est-ce qu'elles ont des postes, de responsabilité? Est-ce qu'elles sont salariées? Donc, par exemple, tout ce travail-là, ça, c'est une action qui est primordiale pour essayer de commencer à réfléchir sur comment ces rapports-là structurent les organisations. Alors évidemment, quand on a un collectif, qu'on n'a pas de ressources, qu'on fait pas de... Le problème, il va se poser différemment. Mais dans une organisation qui est financée, qui a des ressources, qui fait un certain nombre d'actions, bah ça, c'est une première chose qui est indispensable à faire et une prise de responsabilité qui est collective, évidemment. Après, bah, je vois ce que vous voulez dire par rapport à tout ramener au langage. Alors, je parle de discours parce que je n'ai pas fait d'observation ethnographique, je n'ai pas ethnographié des pratiques, donc je saisis les pratiques d'intersectionnalité par les discours sur ces pratiques. Si j'avais utilisé une autre méthode, j'aurais perçu les choses différemment, j'aurais perçu d'autres choses, j'aurais peut-être proposé aussi autre chose en termes de pratiques. Maintenant, je suis d'accord avec votre remarque. Parfois, je veux dire, j'enseigne les études genre, je me dis, dans 5 ans, je suis bonne à mettre à la poubelle, en fait, ça va trop vite. Ça va plus vite que moi, et moi, je suis à la fac. Donc oui, il y a effectivement un risque de se focaliser tout le temps sur le discours au lieu de se focaliser sur en fait les pratiques relationnelles et puis les objectifs qu'on a. Mais il y a des moments, c'est comme sur l'histoire, l'exemple que je venais de donner, en fait il y a des moments où on se focalise sur le discours parce que à ce moment-là, c'est le sens de la reconnaissance dans le nous collectif, etc. Donc, quand on dit, en fait, on veut être nommé, puis on veut être nommé d'une certaine manière, on ne peut pas faire l'économie de cette attention au discours. Mais effectivement, il ne faut pas que ça prenne le pas sur tout. Hein. Puis c'est un peu comme le problème de se focaliser sur... j'arrête parce que c'est autre chose. Mais donc voilà, donc oui, non, je suis d'accord. Et bon, c'est pour ça que je dis qu'il faut être... Le problème, c'est qu'il faut être dans un... C'est pour ça que je dis les féministes suisses, elles y arrivent, les féministes de 70 ans et plus, elles y arrivent, mais parce que le contexte n'est pas le même, en fait. Le contexte de politisation de ces questions n'est pas le même. Le mouvement féministe n'est pas similaire. Il n'a pas le même historique, il n'a pas le même historique de conflit. Il n'y a pas eu les mêmes prises... Il n'y a pas eu les mêmes débats publics sur le voile qui n'ont pas crispé de la même manière le mouvement féministe, ou le mouvement féministe n'y a pas réagi de la même manière. Donc du coup, on peut se permettre d'être moins attentive aux paroles. Elles sont moins,
elle suscite moins de réactions épidermiques parce qu'on se donne, on se laisse le bénéfice du doute, en fait. Voyez, mais il y a des contextes où malheureusement, on n'arrive plus à fournir cette générosité relationnelle. On ne peut plus parce que... Voilà. Bonsoir. J'avais une question assez rapide. Vous avez dit que dans l'idée un peu utopiste de retrouver un but commun pour les féministes, eh ben, on pouvait du coup se concentrer, mettre de côté ce qui était un petit peu problématique et se concentrer sur les fondements et le but. Non, pas les fondements, mais oui. Pas les fondements, le but un petit peu primaire du féminisme. Mmh. Mais est-ce que ça ne reviendrait pas du coup à faire une petite technique d'évitement, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre de côté les problèmes des femmes qui subissent à la fois les problèmes rencontrés par les personnes féministes blanches, mais également, du coup, ces problèmes d'intersectionnalité. Oui, alors, j'espère qu'au terme de cette longue présentation, vous ne me soupçonnez pas de proposer ça. Non, mettre de côté, ce n'est pas le bon terme, en fait. Hein. L'idée, c'est de déplacer la source de questionnement et la source de débat. Donc, l'idée, c'est en fait qu'on n'a pas besoin de se mettre d'accord sur la signification du voile pour prendre la bonne décision féministe, pour établir une ligne. Donc, ce n'est pas que bah, du coup, on s'occupe plus des femmes voilées et qu'on dit bah, on en a 20, on en a sacrifié 20, tout va bien. Non, c'est au contraire, c'est dire en fait, c'est quoi le problème qu'on a? Bah, le problème, on a un problème de... Enfin, en fait, c'est pas quoi le problème comme ça, c'est qui est concerné, qui va payer le prix des options politiques que nous allons proposer. Donc, si on met au centre de l'analyse l'expérience des personnes concernées et l'expérience des personnes qui sont le plus vulnérabilisées ou qui encourent le plus de risques ou qui vont payer le plus de poids de la politique qu'on va proposer, qu'est-ce que ça donne comme réflexion? Donc c'est une manière, c'est juste une manière de changer le processus par lequel on arrive à prendre une décision ou à prendre... Vous savez, elle le dit très bien, elle dit, vous êtes une organisation féministe, vous devez prendre position sur des objets. Et il y a des fois, c'est pas dans votre pratique, c'est pas des questions qui se posent, c'est même pas forcément des questions qui se posent dans votre pratique féministe, c'est des questions qui vous sont imposées par le débat public. Puis parfois, c'est des questions qui se posent dans votre pratique féministe. Comment nous saisissons-nous de ces questions? Donc, ce n'est pas qu'on va les mettre de côté, c'est qu'on va s'en saisir d'une façon différente. Et ce que j'espère, c'est que même si, en fait, au départ, on n'est pas d'accord, c'est que je ne vais plus passer mon temps à essayer de convaincre certaines personnes de certaines choses. Par contre, on va se mettre d'accord sur la manière dont on analyse et sur qu'est-ce qu'on place au centre de notre réflexion féministe, d'accord? Et on ne va pas placer mes valeurs, ma définition de l'émancipation, mon plaisir à tel... enfin, mon plaisir, oui, mes émotions positives ou ma joie féministe vis-à-vis de telle perspective. Non, on va placer au centre des personnes qui vont être affectées en premier lieu, qui font l'expérience de ce dont on est en train de parler, voyez. Donc, c'est ça sur lequel j'insiste. Ça n'a rien de révolutionnaire, hein, c'est vraiment une philosophie pragmatique, on va dire, pour prendre des... Pour prendre des décisions, mais ça m'a fait penser à un truc, mais j'ai oublié. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, ou si ça précise en tout cas le sens de ma pensée. Moi, je voudrais juste enchaîner, en fait, sur cette question-là, ça m'a fait penser aussi. Bon, c'est le fait que effectivement, tu me parles dans le livre du pragmatisme, et c'est vrai qu'on a tendance à penser, et parfois aussi en France, mais que le pragmatisme, c'est abandonner l'utopie et c'est se résoudre à accepter la réalité telle qu'elle est. Alors que, voilà, il y a une autre conception du pragmatisme qui est prendre en compte, en effet, les conséquences de nos décisions sur les premières personnes affectées. Et peut-être tu pourrais dire un mot, prendre un exemple, parce que ça aussi, tu le dis à la fin du livre, tu dis, en fait, ce que je propose, moi, il me semble, ce que tu proposes, c'est une méthode aussi. Mmh. Comment être féministe ? C'est plus que sur quoi, c'est comment être féministe. Et on peut se mettre d'accord sur une méthode, même si, voilà, on a, comme tu dis, pas les mêmes valeurs, etc. Et du coup, bon, là, dans le livre, l'objet, c'est la question du voile, parce que c'est peut-être la question où l'enjeu de l'intersectionnalité est absolument évident. Mais tu dis dans le livre qu'on pourrait appliquer cette méthode à d'autres questions qui font controverse ou clivage même parmi les féministes. Et...
Moi, je travaille sur la GPA, donc je vois très bien comment on peut essayer de... Voilà. Ouais, bah oui, je pense qu'on peut très bien appliquer la méthode à la GPA. Je pense qu'on peut appliquer la méthode à la GPA. Et au lieu de dire, mon Dieu, c'est horrible, ouais, voilà, c'est difficile, pas de se dire, mais pour les premières concernées, ouais, qui font ce travail-là de porter l'enfant des autres, là, maintenant, qu'est-ce qui est le mieux pour elles? Exactement. Voilà, on peut essayer de penser comme ça. Alors, du coup, je suis totalement en accord avec toi, mais je me dis, moi, j'essaye de proposer ça, je vois bien que... C'est dur de se mettre d'accord. Enfin, je veux dire, avec les... je vois bien que néanmoins, les féministes qui se disent radicalement opposées à la GPA, etc., j'ai beau leur proposer ça. Elles, à la limite, j'ai presque l'impression, mais c'est un peu comme sacrifier les 20 élèves, qu'elles sont prêtes à sacrifier ces femmes-là au nom. Voilà. Ah bah oui. Voilà. Oui, il y a ça. Elles sont prêtes à les sacrifier, en fait. Et comment franchir le saut, là, je trouve ça très difficile, par la discussion, de rendre ce sacrifice impossible. Enfin, oui, intolérable, mais... Voilà. Ben, je pense que... On pourrait prendre la prostitution, d'autres sujets. Oui, je pense que ça s'applique à plein de sujets. Mais ce qui se passe, c'est que sur la question qui, moi, m'occupe, il y a des femmes concernées qui sont mobilisées. Tu vois, sur la question du travail du sexe, il y a les personnes concernées qui sont mobilisées. Sur la GPA, il n'y a pas. Et en fait, ton problème, c'est ça. Oui, c'est que... Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas au sens, il n'y a pas d'association militante, mais quand même, il y a quand même des enquêtes ethnographiques. Et donc, on a accès à la parole de ces femmes. Et simplement, en fait, souvent, les féministes anti-GPA ne les écoutent pas ou estiment qu'elles sont victimes d'une fausse conscience, elles sont aliénées. Et de toute façon, leur parole, en fait, est le symptôme de leur aliénation. Et voilà. Donc, on a quand même accès à une parole. Et certaines, en un etc., s'organisent un peu ou en tout cas, sont accompagnées par des associations féministes qui les aident. Donc, on n'a pas rien, même si on n'a pas... Mais je pense qu'honnêtement, tant qu'il n'y aura pas un minimum de rapport de force, c'est-à-dire qu'il y a une constitution plus claire d'un collectif qui peut essayer de se faire entendre auprès des pouvoirs publics, ce sera très difficile. C'est-à-dire que tant que... c'est les limites d'une éthique féministe, c'est qu'on n'est pas forcément éthique. Et parfois, quand on est dans sa position de privilège et qu'on n'a aucune raison de se décentrer, même quand Marlène Jouan vient expliquer que c'est pas bien, on ne se décentre pas. Mais je pense que la GPA, c'est un peu particulier parce que c'est quand même un débat qui reste très théorique dans ces enjeux, puis qui en France est tellement capté par le pouvoir médical, puis par des discours éthiques médicaux, etc., que c'est du coup pour faire bouger ces choses-là, c'est difficile. Mais voilà, je pense qu'il y a d'autres sujets sur lesquels ça peut s'appliquer de façon plus claire, et c'est de toute façon déjà porté par des personnes qui s'auto-organisent. Sans l'auto-organisation, c'est pas possible, en fait. Il est 19h32, est-ce qu'on prend... Ouais. Moi, j'en ai une aussi, mais c'est pas grave. On s'écoute après, mais non, allez-y. Attendez, il y a un micro. Non, il faut l'allumer. C'était passionnant. J'avais une question sur l'effet de la partie cyborg sur la partie sociologie. Plus particulièrement sur le... la position de normative vous fait prendre position sur la type d'approche qui prend le mieux en compte l'intersectionnalité parmi la typologie que vous avez faite des prises en compte par les associations, les collectifs. Voilà. Alors, je ne pense pas qu'en fait j'ai changé d'avis. Donc, ça ne m'a pas... je pensais déjà ce que je pensais de ce qui était bien et de ce qui n'était pas bien, ou je le pressentais, ou je le... Voilà, c'était pas formalisé pareil, mais voilà. Par contre, je pense que sur la pratique de la sociologie, on va dire, c'est sûr que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les discours sur l'objectivation, sur la façon bourdieusienne de comprendre ce concept, etc. Et ça ne s'est pas arrangé. Ça ne s'arrange pas avec le temps. Et donc, je pense que le fait d'assumer une posture normative, c'est aussi assumer de pas réifier les objets. C'est-à-dire,
de se donner la possibilité d'essayer, de tenter, de retraduire aussi la texture morale de ce sur quoi on travaille. Et ce qui n'était pas quelque chose que je m'autorisais à faire avant, je pense. Donc voilà, les anthropologues font plus ça parce qu'ils ont un style d'écriture qui est différent. Mais du coup, ils ne parlent pas du tout de pouvoir. Donc c'est un peu embêtant aussi. donc je ne pense pas, je pense pas que ce soit spécifique, disons, à la philosophie ou une posture normative, parce que les anthropologues peuvent le faire tout en n'étant pas du tout normatif ou en refusant complètement justement de prendre position sur des enjeux politiques ou normatifs, ce qui m'agace aussi beaucoup. Donc du coup je fais un truc un peu entre les deux, mais je pense que en tout cas je le vis mieux comme ça, quoi. Je préfère faire de la sociologie comme ça, voilà. Il y avait une autre question ici. Deux minutes. La dernière, voilà. Bon, je me rends bien compte qu'on s'en fiche de savoir comment j'aime faire de la sociologie, mais en fait, je pense que non. En fait, je pense que c'est important de savoir pourquoi on fait les choses, quoi. Voilà. Je dis juste ça, c'est pas pour parler de moi, c'est pour dire qu'en fait, voilà, il y a quand même, je trouve, là, il y a une recherche de sens, de qu'est-ce que ça veut dire pour soi de travailler là-dessus, des gens qu'on rencontre quand on travaille, de comment on change sa réflexion, et que tout ça, malheureusement, dans certaines méthodes sociologiques, c'est écrasé sous un vernis de scientificité, que je trouve problématique. Voilà, pour reformuler un petit peu plus scientifique mon propos. Ce sera pas trop long. En fait, les discussions qu'on a tout à l'heure, ça m'interroge en fait sur la question de l'expertise d'une féministe, enfin des féministes. En fait, moi, je suis dans une asso, et c'est aussi pour ça que je posais la question du pluriaxisme, en fait. Parce que ça sous-entend l'intersectionnalité, ça permettra peut-être d'ouvrir une question aussi pour le reste du séminaire, c'est-à-dire ça sous-entend que les féministes doivent être expertes dans tous les domaines s'il n'y a pas quelqu'un pour représenter au sein de l'asso, en fait, le domaine en question. Et on s'est retrouvés et confrontés à cette question de la transidentité alors qu'on n'avait pas de personnes trans dans notre association. On s'est retrouvés à parler de la GPA alors qu'on n'avait pas de personnes concernées. Et en fait, ça m'interroge vraiment. C'est pour ça que je me pose la question de la prise de position qu'on peut avoir. Parfois, on nous demande vraiment de nous positionner. Et on a passé des mois à réfléchir sur des sujets. Et en fait, je trouve que c'est pas possible, en fait. Et c'est pour ça que cette question de la responsabilité, elle m'interroge aussi. Parce qu'il y a la peur d'être maladroit, blessant, ou de même pas être concernée. Moi, je me sens pas des fois concernée sur certains sujets. Et c'est aussi la question des privilèges. Et enfin, voilà. Donc ça m'interroge vraiment. La question de l'expertise, ça veut dire comment se former sur tous les sujets. Est-ce qu'on peut parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas ou qui ne nous concerne pas? Et du coup, après, il y a la question de... On peut pas non plus, inviter, dire des personnes, venez chez nous, parce qu'il y a la question de l'autre. Enfin voilà, c'est vraiment chose qui me questionne. Ouais, c'est une très bonne remarque. Alors, Mao disait « qui n'a pas fait d'enquête ne peut pas parler ». J'adore le casé, honnêtement. Mais ça fait que récemment que j'ai appris que c'était une des grandes façons de faire taire les autres, en fait, en mai 68 et dans l'extrême gauche, dans la constellation d'extrême gauche, en tout cas chez les Maoïs, c'était « qui n'a pas fait d'enquête n'a pas le droit à la parole ». Bon, alors, c'est un peu embêtant, effectivement, on ne peut pas faire des enquêtes sur tout, je suis d'accord. Non, je pense que c'est une excellente question, et ça, en fait, ça me fait réfléchir au fait, effectivement, je n'ai pas répondu à votre autre question là, sur le pluriaxisme. Donc, effectivement, on ne peut pas être expert sur tout, on peut pas, et pourtant, on est interrogé sur ces choses-là, et puis, on ne veut pas non plus dire « Ah, mais venez chez nous, parce qu'on aimerait bien avoir une personne trans dans l'association. » Enfin, non, donc voilà, parce que là, on reproduit le... Puis on demande toujours aux personnes de faire de la pédagogie sur leur expertise. Donc, moi, il me semble que ce que vous mentionnez, ça indique le fait qu'il manque parce que je repense au contexte du Québec, en fait, et justement au contexte de cette citation. Au Québec, il y avait un grand forum qui est donc la Fédération des femmes du Québec, qui tous les 3-4 ans fait un énorme congrès, et tout le monde y va, et on discute, et voilà. Et justement, on établit et on discute des positions communes. Et il y a beaucoup de conflits, et on n'est pas d'accord, et voilà. Et en France, on n'a pas réussi à créer d'association qui ait fonction de ça, pour plein de raisons historiques.
Et c'est vrai que le seul moment où il y a eu, enfin voilà, ce qui pourrait être l'équivalent, c'est le collectif national pour les droits des femmes qui s'est créé au milieu des années 90 après les attaques sur le droit à l'avortement et qui en fait n'a jamais été capable de prendre cette position-là, aussi parce qu'à l'intérieur, en fait, ils ont accepté des représentations syndicales, des représentations de partis politiques, donc la structure n'est pas la même. Et puis, en fait, ce n'était pas un forum de discussion, c'est devenu voilà, une association qui se donnait la légitimité d'intervenir sur un certain nombre de sujets en se disant représentative, mais en n'ayant pas les structures. Donc, je pense que ce que vous pointez, c'est en fait le fait qu'on n'a pas les structures en termes institutionnels et de débat pour pouvoir, au lieu que chaque assoce féministe dans chaque ville sommet de se positionner sur telle et telle question, réinvente la roue tous les quatre matins sur comment il faut bien se positionner sur ci, sur ça, avec la meilleure volonté du monde, mais en n'ayant effectivement pas l'expertise requise, ben, ça nous indique qu'on n'a pas d'espace de débat commun, en fait. Et que, en fait, c'est ça aussi qui nous manque. Même dans ce genre de regroupement, on aurait toujours des personnes, par exemple, reprenons l'exemple, ou même encore plus gros, l'exemple de la prostitution, on aurait forcément des personnes qui seraient pro-travail du sexe et des personnes contre, et j'ai l'impression qu'on serait toujours en train d'exclure, même si on écoutait en fait les témoignages. En fait, j'ai l'impression, vous parliez des 20 personnes. Alors, qu'on a mis... Le mouvement français est très antagoniste, je ne vais pas vous l'apprendre. Du coup, j'ai l'impression qu'on serait toujours dans l'exclusion. Et on a une culture politique particulièrement antagoniste. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de fatum, c'est pas parce que c'est comme ça que ça doit le rester, et ça peut être un projet de dire, on va essayer de créer une structure de dialogue. Alors, au Québec, ils sont bons pour ça, ils ont des tables, ils appellent ça des tables, voilà, on a une table de toutes les associations féminines, machin. On n'a pas forcément le projet de se mettre d'accord à la fin. C'est pas pour l'instant, c'est pas ça, d'accord. Il y a plein de techniques de débat qu'on méconnaît sur la manière de parler de quelque chose sans forcément avoir un objectif. On fait des conférences de dissensus. On dit, on n'est pas non plus obligé de commencer par la question du travail du sexe pour ouvrir la première conf. Mais voilà, donc je pense que non, ça reflète sur en fait effectivement le fait qu'on n'a pas de mécanisme de mise en commun ou de dialogue. Je pense néanmoins que voilà, il y a plein de possibilités de venir en appui quand on est sollicité, plutôt que de dire, on vous demande de prendre position pour ça, de dire, on ne prend pas position sur ça, on vous réfère à telle association qui est spécialisée sur le sujet. Et puis nous, on n'a pas l'expertise, mais on leur fait confiance ou on est solidaire de leur lutte. Et on n'a pas besoin de produire une expertise pour dire ça. Et puis ça, voilà, c'est la solution à moindre coût, j'ai envie de dire, mais qui est peut-être la seule... Et puis on leur tend le micro à eux ou à elles. Et parce que nous, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un porte-voix sur cet enjeu-là, parce que ce n'est pas le nôtre. Par contre, on l'utilise notre. Si on est sollicité ou si machin, on utilise notre pouvoir de parole, le micro ou le macro-pouvoir de parole qu'on a pour le mettre en porte-voix de quelqu'un d'autre. J'ai pas de solution miracle à la fin, comme vous voyez. On va s'arrêter là parce que le bâtiment en plus ferme. Voilà. Mais merci infiniment à Éléonore Lépinard d'être venue. Merci aussi au public pour votre participation et vos questions. Et donc, je passe la parole à Marlène. Oui, un dernier mot avant de vous laisser partir. C'est simplement pour annoncer la prochaine séance du séminaire. Donc, ce sera le 24 novembre, donc même endroit, même heure. Et donc, on accueillera Vanina Mozzi-Conacci, que j'ai citée là dans la discussion, qui est philosophe, mais qui est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation, puisqu'elle s'est spécialisée en philo de l'éducation à Montpellier. Et... mais qui ne va pas venir nous parler directement de son ouvrage, qui est paru donc, en 2022, mais de certaines applications pratiques de ce qu'elle propose dans l'ouvrage, et notamment une proposition de didactique féministe de la philosophie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, elle va venir nous dire qu'est-ce que ça veut dire enseigner la philosophie en féministe ? Et que faire de cette discipline, voilà, quand on est féministe ? Comment l'enseigner de cette discipline traditionnellement très masculine ? On est deux femmes au département de philo ici, sur 9. Alors, je sais que tout le monde ici n'est pas philosophe, je ne vois pas beaucoup d'étudiants en philosophie ou d'étudiantes, mais je pense que c'est... Voilà, vous pouvez le faire. Et puis surtout, je pense vraiment qu'en fait, les réflexions, parce que moi, je l'ai déjà entendu sur ce sujet dans un autre séminaire à Paris, donc je sais un peu de quoi elle va parler. Je pense que ça peut servir pour plein d'autres disciplines. On peut vraiment exporter ce qu'elle va nous proposer, voilà, bien en géo, en sciences politiques, en droit, dans plein d'autres disciplines. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, ici ou sur Zoom, parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas sur Zoom. Si, c'était...
Voilà. Et ce sera aussi toujours à distance sur Zoom les prochaines séances. Et le programme est sur le site internet de la MSH. Voilà. Merci à vous aussi à nouveau. Et donc à bientôt, on espère. Et bonne soirée.